Je suis Jean Nemo, merci de participer à ce séminaire. Je vais être aidé et soutenu par Anne-Lise Chaffy pour répondre à vos questions. Elle va prendre connaissance de vos questions posées par écrit. Et puis moi, je vais vous faire la présentation. C'est que notre deuxième tentative. On va sûrement être un peu meilleur que ce matin et un peu moins bon que la prochaine fois. Voilà. Bonjour. Bon, voilà. Donc moi, je suis Jean Nemo, j'ai créé la librairie des écoles il y a 10 ans. Je ne suis pas professeur des écoles, je ne suis pas mathématicien, mais j'ai 10 ans d'expérience dans l'édition de la méthode. Donc je la connais suffisamment pour vous en donner les principes essentiels, les principes mathématiques, les principes pédagogiques et un peu de contexte pour faire en sorte que la prochaine rentrée se passe au mieux. Je vais à peu près avoir besoin d'une heure pour présenter l'ensemble des concepts. Vous allez voir que je suis bavard, donc n'hésitez pas à me poser des questions que Anne-Lise regardera de temps en temps, des questions d'ordre pratique ou plus pédagogique. Donc, quand j'ai créé la librairie des écoles il y a 10 ans, c'était pour vous proposer à vous, professeurs des écoles, des outils efficaces, parce que je suis persuadé que la pédagogie doit apporter la preuve de son efficacité et que toutes les méthodes ne se valent pas. C'est vrai en mathématiques, mais c'est aussi vrai en français, c'est vrai en histoire, etc. Il y a des méthodes pédagogiques qui sont plus efficaces que d'autres. Quand il y a 10 ans, j'ai créé la librairie des écoles, j'ai décidé d'importer la méthode de Singapour, tout simplement. Pourquoi la méthode de Singapour? Parce que les élèves de Singapour se classent premier à tous les classements internationaux en mathématiques, qu'il s'agisse des concours PISA ou des concours TIMSS. Et donc, je me suis intéressé à pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Alors, pour ça, il faut un peu d'histoire. En 1965, Singapour devient un pays indépendant. En tant que pays indépendant, ils dépendent largement de l'aide que les pays occidentaux veulent bien leur apporter, ou les pays riches, on va dire, veulent bien leur apporter en termes de manuels scolaires, de construction d'écoles, de professeurs, etc. Donc, c'est une autre façon de dire que pendant 15 ans, Singapour apprend la pédagogie avec les mêmes auteurs que nous, Maria Montessori, Piaget, Georges Polyat, Jérôme Brunner, etc. Ils utilisent nos manuels scolaires, nos méthodes. Et puis au bout de 15 ans, le gouvernement de Singapour dit, si ça continue, il faudra que ça cesse. Et vers la fin des années 79, ils disent, on va faire des mathématiques et des sciences notre priorité nationale pour avoir des ingénieurs, pour avoir des médecins, etc. Ils réunissent autour d'une table pendant 5 ans des experts qui font la compilation de tous les manuels scolaires dont ils disposent. Évidemment, de tous les livres en recherche, en pédagogie, en sciences cognitives, etc. Donc, il faut une synthèse de tout ce qui marche en didactique des mathématiques. Donc, la méthode de Singapour, ce n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas un Singapourien qui s'est levé un beau jour et qui a dit, bon sang, mais c'est bien sûr, voilà comment il faut enseigner les maths. C'est une synthèse de tout ce qui marche. Donc, dans tout ce que je vais vous présenter ce soir, vous allez peut-être rien apprendre de nouveau, ou en tout cas, vous aurez vu beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Simplement, c'est le dosage entre les ingrédients, le dosage entre les procédés didactiques, entre les matériels de manipulation, etc., qui va faire toute la qualité de la méthode. Donc, pendant 5 ans, les experts singapouriens se réunissent autour de la table, et puis comme c'est un petit pays, ils peuvent mettre en place une formation initiale, une formation continue, pour proposer leur méthode du premier jour du CP au dernier jour de la sixième, parce que comme la plupart des pays de tradition anglo-saxonne, le primaire singapourien s'arrête à la sixième. Il faut encore, après ça, 15 ans, 15 ans, c'est pas rien, de pratique de terrain, de retour, d'essais, d'erreurs, de professeurs qui disent, mais là, ça allait trop vite, là, ça allait trop lentement, etc. Donc c'est cette fusion 5 ans de théorie, 15 ans de pratique, qui va permettre en 1995, en 1995 seulement, à Singapour, de se classer premier au classement TIMSS. Et puis, ils n'ont pas quitté cette place depuis. Donc, ce n'était pas un hasard. Ils participent au concours PISA depuis 2008. Ils sont premiers ou seconds à chaque fois. Et ça veut dire une chose qui est importante, c'est que les Singapouriens ne sont pas bons en maths, dans le sens où il y aurait un gène des maths à Singapour, ou même une culture mathématique à Singapour, ou alors quelque chose chez
les Asiatiques qui seraient disciplinés et donc bons pour faire des maths, mais qui ne seraient pas créatifs, parce que j'entends toutes sortes de clichés. Donc je vous rassure tout de suite, les Singapouriens n'étaient pas bons en maths, ils étaient nuls en maths, ils sont devenus bons en maths grâce à cette méthode. Et ce qui le prouve, c'est que depuis 1995, donc évidemment, la plupart des pays du monde qui ont découvert la qualité de l'enseignement des mathématiques à Singapour a voulu s'inspirer de leur méthode, et partout où elle est utilisée, elle a fait la preuve de son efficacité. Elle est aujourd'hui utilisée dans plus de 60 pays. Ça a commencé en 2002, où c'était en Israël que la méthode a été importée, adaptée évidemment au programme officiel, etc. Et aujourd'hui, il y a 60 pays. Et pour vous donner l'exemple le plus frappant, c'est qu'en 2015, le Royaume-Uni a décidé que la moitié des écoles publiques utiliseraient la méthode de Singapour. Donc la méthode fonctionne partout où elle a été utilisée. Comment est-ce qu'on le sait? C'est qu'on fait des méthodes d'évaluation. Vous prenez une classe avec un niveau hétérogène, avec des élèves qui sont en difficulté, des élèves qui sont moyens, puis des élèves qui sont plutôt bons. Vous les évaluez, et puis au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que le pourcentage d'élèves en difficulté diminue, que le pourcentage d'élèves moyens diminue et que le pourcentage d'élèves bons augmente. Donc comment est-ce que ça se fait? C'est le but de cette présentation, c'est pour vous expliquer pourquoi ça marche si bien et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça marche bien. Mais tout d'abord, concrètement, la méthode de Singapour, c'est quoi? C'est une collection de manuels scolaires. Quand le ministère de l'Éducation de Singapour a fait sa méthode au début des années 80, il a édité un certain nombre d'ouvrages du CP à la 6e avec des supports et des progressions d'exercices jour après jour sur les journées et les scolaires. Concrètement, c'est une collection de manuels. Donc, quand je l'ai édité il y a 10 ans, j'ai édité l'édition d'origine du ministère de Singapour, sans faire aucune adaptation au programme, ni même au nombre de séances dans l'année scolaire. J'avais peur de faire s'effondrer l'édifice fragile dont je vais essayer de vous montrer la beauté. J'avais peur de le faire s'effondrer, donc je n'ai pas touché. L'ancienne édition n'était pas conforme au programme français. Notamment, il manquait beaucoup de géométrie. On va y revenir. Et j'avais simplement changé les papayes en pommes et puis les litchis en cerises. Puis au bout de 8 ans, non seulement il y avait beaucoup de professeurs des écoles en France qui avaient quand même pris la méthode et l'avaient adaptée en classe, et d'autre part, j'ai rencontré Monica Nigoy, qui est la directrice de collection de la nouvelle édition, et on a décidé, à l'occasion des programmes 2015, de l'adapter entièrement, non seulement au programme, en ajoutant la géométrie, en ajoutant les éléments qui manquaient, en conservant évidemment tous les partis pris pédagogiques et toute la force de la méthode, mais aussi en faisant un travail de découpage de séances sur l'année, parce qu'on a entre 135 et 150 séances de 1 heure prévues sur l'année. Et donc, il fallait faire en sorte que tout rentre dans le cadre culturel. Et puis, évidemment, je vous épargne les détails, mais beaucoup de travail d'adaptation. Mais l'essentiel était quand même, et reste quand même, d'être fidèle aux 7 principes pédagogiques de la méthode. Les 7 principes pédagogiques, là, cette slide, c'est un sommaire, si vous voulez, de ma présentation. Aucun de ces ingrédients, j'insiste, n'est original en soi. Ou en tout cas, vous pourriez les retrouver dans les méthodes auxquelles vous êtes déjà habitué. Ce qui va faire toute la qualité de la méthode, c'est l'équilibre entre ces ingrédients, comme dans une recette de cuisine. Vous pouvez avoir une liste d'ingrédients et faire des recettes complètement différentes en fonction des dosages. Et d'ailleurs, plus ou moins bonnes selon le dosage que vous faites. Donc, de la même manière, il s'agit, en découvrant la méthode de Singapour, de bien considérer le dosage de ces ingrédients et donc de respecter, quand vous l'appliquerez en classe, au moins dans un premier temps, de faire confiance à la méthode pour respecter cet équilibre fragile. Le premier ingrédient, c'est l'approche concrète imagée abstraite. On sait que le but de l'enseignement des mathématiques, c'est de passer du monde concret, sensoriel de l'enfant, immédiat, à l'abstraction des symboles et des chiffres, à l'abstraction mathématique. Mais donc ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On sait que les élèves de CP, de CE1 doivent manipuler, etc. Mais ce qui est intelligent dans la méthode de Singapour, c'est qu'on intercale systématiquement et de manière rigoureuse une étape imagée, c'est-à-dire une modélisation qui va être moins concrète que la réalité, mais plus concrète que l'abstraction de symboles. Ça va être tout simplement faire des mathématiques sans les nombres, de faire des mathématiques, c'est-à-dire de la simplification de la réalité sans les nombres. Donc c'est une méthode qui est très visuelle. Et c'est le sens du deuxième point, donner du sens aux nombres.
Parce que, comme c'est une approche visuelle, les élèves vont toujours pouvoir, on va leur donner à voir les quantités qui sont en jeu. Quand on va leur proposer de poser une opération, de poser des retenues, de résoudre un problème à tous les niveaux et dans tous les domaines, on va leur donner à voir les nombres et pour qu'ils se fassent un sens des quantités. On va leur donner à toucher, on va leur donner à sentir. Comme ça, ils ne feront pas des nombres un ensemble de procédures abstraites qui correspondent à aucune réalité, mais quelque chose de réaliste. Le troisième point, la démarche explicite et systématique, est moins de l'ordre des mathématiques en elles-mêmes ou de la didactique des mathématiques que de l'ordre purement pédagogique. La méthode de Singapour, c'est aussi une façon de faire classe. Ce que je vais vous dire sur ce troisième point, la démarche explicite, d'ailleurs, pourrait tout à fait s'adapter à une classe de français. Je vais revenir plus en détail dessus tout à l'heure, mais ça veut dire qu'en gros, les élèves ont besoin de savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quel lien ça a rapport avec ce qu'ils ont fait la veille, combien de temps ça va durer et qu'est-ce qu'ils sauront faire à la fin. Ils ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés dans leur apprentissage. Le quatrième point, qui est un corollaire du second et qui peut vous paraître assez mystérieux sur la présentation, c'est 90%, 10%. Je laisse un peu de suspense pour vous dire tout à l'heure ce que c'est. Le cinquième point, la pédagogie de la maîtrise, c'est un point assez important et c'est peut-être le plus troublant pour les professeurs français qui utilisent la méthode. C'est qu'en gros, on va étudier beaucoup moins de notions, mais on va les étudier sur le temps long. Vous avez peut-être déjà constaté sur les sommaires que vous avez des grandes unités qui font 14, 15 séances, 18 séances. Sur un seul sujet. Le but de cet apprentissage en profondeur, c'est que les élèves maîtrisent entièrement un sujet avant de passer à l'autre. Je reviendrai tout à l'heure en détail là-dessus. Le sixième point, c'est la résolution de problèmes. Alors ça, c'est un consensus aujourd'hui dans le monde entier, dans les programmes officiels du monde entier, que les mathématiques, c'est la résolution de problèmes, que la résolution de problèmes, c'est les mathématiques. De fait, les mathématiques, parce que c'est une science de l'abstraction qui permet de modéliser, de simplifier, de schématiser une réalité, c'est un outil extrêmement performant pour résoudre des problèmes. Et c'est ça qu'on explique dans la méthode de Singapour aux élèves, c'est que grâce aux mathématiques, on va pouvoir résoudre tous les problèmes qu'on va se poser. Et inversement, et c'est ça qui est une bonne nouvelle, c'est que en faisant de la résolution de problèmes, on va aider les élèves à apprendre les mathématiques. Donc, on va avoir un cercle vertueux qu'on va installer pour faire en sorte que les enfants n'associent pas les mathématiques à un ensemble de procédures qui permet de faire des calculs, mais comme un art de la résolution de problèmes. Le septième ingrédient, c'est le dernier et peut-être le plus important pour moi, c'est la pédagogie de la preuve. Parce que, en fait, si on veut enseigner les mathématiques aux enfants, il faut, bien sûr, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette présentation, dérouler tous ces ingrédients qui vont les mettre en confiance, qui vont les guider, qui vont leur permettre de donner du sens aux nombres, qui vont leur permettre de maîtriser les sujets, etc. Mais il faut aussi qu'ils aient confiance fondamentalement dans le fait que les mathématiques, c'est pas de la magie. Ce n'est pas des procédures, ce n'est pas du hasard, c'est on va pouvoir prouver ce qu'on avance. C'est la démarche scientifique, c'est le raisonnement scientifique. Et ça, c'est extrêmement important et vous allez voir comment c'est déroulé dans la méthode de Singapour. Là, j'ai fini d'exposer le sommaire. Si dès ce stade, vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vois sur l'écran à gauche l'écran où s'écriraient vos questions. Tant que n'en lis pas, je continue sereinement. Alors, l'approche concrète imagée abstraite, donc voilà, vous avez typiquement trois oranges. Donc, vous pouvez même distribuer dans la classe trois oranges, des petites voitures, des billes, tout ce que vous voulez. Évidemment, chaque orange individuellement n'est pas la même. Alors là, il se trouve que c'est des dessins, donc elles sont similaires. Mais trois oranges, en réalité, ne sont pas les mêmes. Elles sont plus ou moins mûres, plus ou moins oranges, plus ou moins vertes, elles ont plus ou moins de feuilles, etc. Quand, avant que cette réalité complexe sensorielle soit traduite par le chiffre 3, on va avoir l'étape intermédiaire de l'imagerie. On va réduire à sa plus simple expression la représentation de l'orange, c'est un rond orange, on gomme toutes les aspérités, les feuilles, etc. Et puis chaque orange, du coup, se retrouve identique. Chaque orange se retrouve identique et donc on a une relation. On réduit l'unité à sa plus simple expression. Donc, on peut faire ça dans la numération, c'est le cas des oranges. Là, vous voyez un autre exemple, c'est avec les additions, où les tout est parti, on va dire. On a cinq voitures en tout, il y en a trois qui sont rouges, il y en a deux qui sont bleues. On les
modélise par des carrés rouges et par des carrés bleus, ça permet aux enfants de compter avec beaucoup plus de sécurité que s'ils devaient compter des objets. Évidemment, l'approche concrète imagée à Abstraite, c'est un gros avantage dans la gestion de classe, c'est que vous allez pouvoir présenter des situations de la vie de tous les jours, mais vous n'allez pas pouvoir, si vous avez une situation avec des canards dans une mare et puis des canards qui sont au bord de la mare, vous allez proposer aux élèves de compter le nombre total de canards, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir avoir des vrais canards et une vraie mare dans votre classe, ça serait un peu compliqué. Donc le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est de faire des dessins. Mais après, on va demander aux élèves, par exemple, de dire, voilà, il y a quatre canards qui sont dans la mare, il y a deux canards qui sont au bord de la mare. On va dire que les canards qui sont dans la mare sont représentés chacun par un cube. Donc chaque cube, évidemment, c'est beaucoup plus abstrait qu'un canard, mais en même temps, ça reste assez concret. On peut les toucher, on peut les sentir, on peut les manipuler, on peut les coller, on peut les peser. On peut peser le fait que un cube pèse quatre fois moins que quatre cubes. Et puis, on va ensuite demander aux élèves, en ayant modélisé cette situation de façon semi-concrète ou semi-abstraite selon le point de vue dont on se place, modéliser la situation pour faire l'addition. Et ça, on va jouer beaucoup, en particulier au début du CP, avec ces situations mathématiques. Je vous prends un autre exemple d'approche concrète imagée abstraite dans la résolution de problèmes. Là, évidemment, au CP, on a passé beaucoup de temps à faire des trains de cubes. Donc, on a comparé différentes longueurs, vous voyez, on a posé à côté un certain nombre, je ne vais pas inventer de situations sur le vif, mais vous imaginez bien, vous avez des filles et des garçons, combien y a-t-il de garçons de plus que de filles? On compare et puis on voit ici la différence. Ça, c'est le CP. Ça reste très concret, mais encore une fois, on a habitué les élèves à modéliser des situations de la vie de tous les jours par des cubes. Puis après, on arrive au CE1, on va franchir encore un pas dans l'abstraction, ça va être les modèles en barre, où on va s'affranchir de la distinction de chaque unité. Les élèves ne peuvent plus compter individuellement les 15 unités, ils vont représenter 15 de cette manière-là dans les modèles en barre. On va les voir plus loin quand je vais m'attarder sur la méthode de résolution de problèmes. Et tout ça avant de passer à l'approche abstraite 15 plus 3. Je prends un troisième exemple, mais ceci dit, j'aurais pu prendre autant d'exemples qu'il y a de notions avec des fractions. Dans la méthode de Singapour, on apprend les fractions dès le CE1. Alors ça peut surprendre parfois les élèves, les professeurs qui découvrent la méthode. En fait, en réalité, on apprend dès le CP, puisqu'au CP, on apprend les notions de moitié et de quart. Mais quand on parle de la manipulation, une fraction, c'est très simple. On prend une feuille de papier, c'est le tout. On le plie en deux, ça fait deux parties égales, les moitiés. Un demi, et puis on plie en quatre, ça fait un quart. Donc, par la manipulation, les enfants peuvent déjà se faire une notion très précise de ce qu'est une fraction et de ce que n'est pas une fraction. Puis, vous voyez que là, en bas de la page du CE1, vous avez un petit exercice, utilise donc les petits camemberts de fraction et fait un dessin pour représenter, ou fait un dessin pour représenter un quart. Donc, on va apprendre à modéliser les fractions. Puis, au CE2, on va franchir encore un pas dans l'abstraction. Évidemment, on va repartir d'une situation concrète avec des tartes, des gâteaux, des carrés de chocolat. Et puis, vous voyez, les exercices 2 et 3, on va modéliser ce qui a été vu de façon concrète. Donc, vous voyez qu'on va avoir une progression dans la modélisation afin toujours de donner du sens aux notions avant de rentrer dans les calculs et avant de rentrer dans les notions. Pourquoi? Parce que les élèves, comme ils veulent, la plupart d'entre eux, bien faire, ils sont un peu inquiets, ils veulent vous faire plaisir en tant que professeur. Donc, dès qu'ils ont en main quelque chose qui marche, ils vont le garder précieusement. Vous leur avez appris à compter sur les doigts, ils vont compter sur les doigts. Vous leur avez appris à faire des opérations posées avec retenue, ils vont faire des opérations posées avec retenue. Et tant que ça fonctionnera, ils le feront. Mais ce faisant, ils vont pas avoir une compréhension profonde des mathématiques et des nombres. Donc, une des solutions bien connues pour ça, c'est de favoriser les représentations multiples. Qu'est-ce que ça veut dire, les représentations multiples? C'est qu'on veut faire en sorte que l'opération, par exemple, 8 moins 2 égale 6, elle peut représenter une infinité de situations. Ça peut être effectivement, dans le cas le plus simple, 8 cubes moins 2 cubes. Mais ça peut être aussi 8 litres moins 2 litres, ou ça peut être aussi 8 années moins 2 années. Et ça n'a absolument rien à voir pour un enfant. Donc on va
privilégier des relations, des représentations multiples pour faire en sorte que les enfants ne s'en fassent pas une représentation stéréotypée. Par exemple, si vous, je vous prends un mauvais exemple, un contre-exemple, vous avez une démarche qui part d'un bon principe, c'est qu'on va représenter, avant de représenter les nombres par des chiffres, on va utiliser les constellations du dé. Donc on va utiliser 3, 4, 5. Donc ça c'est très bien. Mais si vous le faites pendant trop longtemps, et que les élèves s'habituent trop longtemps à cette représentation, eh bien, ils vont associer inconsciemment dans leur esprit l'image mentale du 3 à une diagonale et du 4 à un carré. Évidemment, ça ne va pas suffire à représenter de façon efficace le concept du 3 ou le concept du 4. Donc, il faut d'emblée, dès le début, dès la première leçon, si possible, donner l'ensemble des représentations possibles. Et c'est ce qu'applique à faire la méthode de Singapour. Vous voyez là, pour représenter sur la présentation la soustraction 8 moins 2 égale 6, on va utiliser le schéma de lien entre les nombres, le schéma partie tout. Donc 8, c'est 2 et 6. Et ça, on va travailler ça pendant un certain temps. On va aussi utiliser les dessins où la soustraction va consister à barrer un certain nombre d'éléments, mais soustraire, c'est aussi se promener sur la droite numérique. C'est peut-être ne rien retirer du tout, là, se soustraire. C'est peut-être aussi se promener à droite ou à gauche de la méthode de la droite numérique. Et évidemment, on va avoir recours au matériel de base 10. Donc tout ça va faire en sorte que sur une unité sur la numération, par exemple, on va aborder toutes ces notions et on va faire en sorte que les élèves en aient une image totale. Je vois qu'il y a une question qui a été posée. Les IEN ne disent rien quand ils voient que les enseignants qui suivent la méthode de Singapour font des fractions en CE1. C'est une bonne question. Et ben en fait, je ne mens pas. Ça a au début suscité de l'interrogation, mais tous les retours que j'ai eus ont été, ah oui, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, ça permet de préparer le terrain. En fait, une fois, si vous voulez, on pourrait faire la même remarque sur les quatre opérations d'LCP, les fractions d'LCE1. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on fait très en avance. Et donc, on pourrait associer ça à une méthode exigeante. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'une fois qu'on a dit les quatre opérations d'LCP, on ne fait pas la division euclidienne posée aux élèves du CP, bien entendu. Par contre, on apprend le concept de division. Et ça, tous les inspecteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce sujet ont tous fait la remarque que, évidemment, ça faisait sens. C'était intelligent de le faire de cette manière-là parce que c'était la manipulation. Alors, je vois qu'aussi quelqu'un n'a pas compris le schéma de lien et ça va me permettre justement, c'est excellente transition, je vous en remercie, pour préciser l'histoire des représentations multiples. Je vais répondre à votre question sur le schéma de lien. Mais ça me permet aussi d'illustrer mon troisième point. En fait, une fois qu'on a dit qu'on voulait des représentations multiples, qu'on voulait que les enfants se baladent sur la droite numérique, comptent des cubes, comptent des billes, fassent des schémas, etc., ces représentations ne sont pas aléatoires. Il y a des représentations qui sont plus ou moins performantes pour expliciter telle ou telle notion. Par exemple, au CP, ça va être très performant d'utiliser les cubes pour décrire des petites quantités. Mais quand on va au CE2 soustraire 525 moins 347, on ne va pas utiliser des cubes, on va utiliser un autre matériel. Donc le choix des représentations qu'on va utiliser va dépendre de la notion elle-même et va dépendre du niveau dans lequel on est. Donc on va les proposer dans un ordre et dans une progression stratégique. Je vous donne un exemple et c'est pour expliciter le schéma de lien entre les nombres. Le schéma de lien entre les nombres, c'est vous avez. Moi, je ne vais pas reprendre les canards avec la mare, mais pourquoi pas après tout. Non, si, on va prendre 8 enfants. 2 ont des lunettes. Et 6 n'ont pas de lunettes. Ça, c'est la deuxième unité du CP. Donc, on est avant même la Toussaint. Et on n'a pas encore vu les signes plus, ni les signes moins, ni même la notion d'addition et soustraction. On apprend à raconter des histoires de nombres à partir de situations. Et pendant 2-3 séances, on va dire, on est sur la même situation, on a des enfants, on a une image avec des enfants qui jouent. Il y a 8 enfants toujours, et puis il y en a 4 qui sont des garçons et 4 qui sont des filles. Il y a 8 enfants,
on en a trois qui sont bruns et puis cinq qui sont blonds, etc. Donc, on va jouer à raconter des histoires de nombres pour faire comprendre aux enfants que les mathématiques servent à raconter des histoires elles aussi, à décrire des histoires. Évidemment, ce faisant, on apprend qu'un nombre est toujours constitué de parties. Vous remarquerez que là, j'ai toujours fait le tout à gauche et les parties à droite. Au bout de 2-3 séances, on va proposer une autre situation. On va dire, il y a 4 hirondelles sur un fil, il y en a 5 qui arrivent. Combien y a-t-il à présent d'hirondelles sur le fil? Il y en a 9. Pour un professeur néophyte, innocent, ce sont les deux mêmes représentations. Mais sauf que pour un élève, ça n'a rien à voir. Dans un cas, vous avez un tout qui est constitué de deux parties. Dans un autre cas, vous avez une quantité qu'on ajoute à une autre pour faire un total. Là, vous avez l'addition récit, j'ajoute quelque chose. Là, vous avez l'addition trouver le tout à partir des deux parties. Ça vous montre à quel point la représentation permet d'expliciter les sens des opérations et leur donner un sens. On n'a toujours pas parlé d'addition, mais ce travail préliminaire va permettre aux élèves de se faire une conception exacte de ce que sont les nombres. Et seulement après 4-5 séances, on va aborder cette représentation-là. Par exemple. Là aussi, ça n'a rien à voir. Là, on a le tout, il est en bas. Alors, encore une fois, quand je dis qu'on propose les représentations dans un ordre, dans une progression stratégique, ça veut dire que, évidemment, quand on va utiliser une représentation, on va la travailler quand même. On ne va pas faire tout d'emblée. On ne va pas présenter toutes les situations d'emblée. Sinon, on mettrait les enfants dans une situation de surcharge cognitive et on les perdrait. C'est une séance, deux séances, trois séances. Peut-être une quatrième séance et là une cinquième séance. Et puis après, on va passer à une autre représentation. Et c'est ce travail de terrain de 15 ans de pratique, etc., qui a permis, appuyé par la théorie. La théorie, elle dit quoi? Elle dit il faut des représentations multiples. Le terrain, il dit oui, mais lesquelles? Combien de temps? Pour quels élèves? Etc. Et donc, c'est ce travail très très fin, cette expérience très profonde que les Singapouriens ont réussi à mettre en œuvre dans leur expérience. L'autre point qui est important, c'est aussi évidemment d'expliciter les liens entre ces représentations. Parce que une fois qu'on a dit qu'on pouvait soustraire sur la frise numérique ou qu'on pouvait faire des touts ou des parties avec des cubes, encore faut-il que les enfants comprennent que le lien qu'il y a entre ces représentations. Donc, c'est ce que fait aussi très très bien la méthode de Singapour. Elle explicite les liens, donc c'est des leçons où on met côte à côte les différentes représentations. Je vous ai pris un exemple parmi des milliards d'autres qui est, je crois, au CE2. Vous voyez, au CE2, on continue à utiliser des cubes. Hein. Écrit la fraction correspondant à la partie rouge de chaque train de cube. On garde notre train de cube. Mais, donc évidemment, là, il y a la partie rouge de chaque train de cube, c'est-à-dire que le tout, c'est les 6 cubes. Et la partie rouge, c'est un sixième. D'accord? De la même manière, on peut représenter des fractions sur la ligne numérique. Entre 0 et 1, on a le tout. 5, un sixième, c'est le premier, un dernier. Donc, vous voyez qu'on met on met côte à côte les différentes représentations. Est-ce que je peux expliquer un grand nombre avec ce schéma de liens? Je ne vais pas tenter de le faire, mais ça permet de répondre à une question, c'est qu'effectivement, ce schéma de lien, c'est comme toutes les représentations, elle est adaptée à un niveau de classe et à un certain nombre de notions. Le but, c'est pas de prendre une représentation et de l'utiliser jusqu'au CM2. Au CM2, on va utiliser d'autres systèmes de représentation. Donc évidemment, en théorie, on pourrait faire 835. Et puis 835. Mais de mémoire, la méthode de Singapour ne le fait pas, sans doute parce que justement, elle a appliqué d'autres représentations plus adaptées au grand nombre. Donc, vous voyez, votre question permet de préciser encore ce point-là. Oui, les représentations multiples, oui, donner du sens au nombre, mais on va faire évoluer les représentations du concret à l'abstrait et aussi en fonction des notions. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans la méthode de Singapour, toujours, et ce jusqu'à la sixième, dès qu'on aborde une nouvelle notion, on va donner à voir ce dont on parle.
Un exemple que j'aime bien prendre, c'est le CM2 de l'ancienne édition. On va apprendre les pourcentages. Donc, on va apprendre une salle de cinéma. Vous avez 43 places, 10 rangées de 10 sièges. Vous avez 43 places qui sont occupées et puis 57 qui sont vides. Et on dit, bah, 43% de la salle est occupée. C'est concret, c'est une situation concrète. Et puis après, on va la modéliser par un carré de 10 sur 10. Voilà. Là, je n'ai pas fait les 10, hein. Ne m'en voulez pas si je ne compte pas. Et puis, on va colorier 43 cases. Et donc, là, on a bien une notion du pourcentage qui est cohérente par ailleurs avec toutes les représentations qui ont été travaillées depuis le CP. Et on va donner à voir ce qu'est un pourcentage plutôt que de dire aux enfants, voilà, tu vas apprendre un nouveau symbole, ça se dit pourcent, et tu vas faire tes opérations avec ça. Bon. Donc, évidemment, c'est ça toute l'intelligence de la méthode. Voilà, donc effectivement, pour les grands nombres de mémoire, il y a quelqu'un qui fait la remarque, pour les grands nombres de mémoire, dans la méthode, on utilise les jetons. Et donc, je vais aussi commenter là-dessus. Au début, quand vous êtes au CP, vous apprenez les dizaines et les unités. Vous faites ça au tableau et là-dedans, vous allez mettre des cubes. Vous allez prendre 10 cubes. Alors là, je n'ai pas les 10, mais vous allez faire une dizaine avec des cubes. Voilà, là, j'ai une dizaine. Et puis, si vous voulez additionner, enfin voilà, si vous voulez faire des additions avec retenue, vous allez vous soustraire, vous allez casser la dizaine, la placer dans les unités, vous allez se servir de ce matériel pour le CP. Au CE1, on va commencer à manipuler des nombres plus grands, et d'ailleurs, on va ajouter la colonne des centaines, et on va utiliser le matériel de base 10. Le matériel de base 10, si vous ne le connaissez pas, c'est absolument essentiel dans la méthode de Singapour. C'est le matériel conçu, je crois, par Maria Montessori, ou du moins utilisé dans toutes les écoles Montessori. Là, vous avez une plaque de 10 sur 10, ça représente le 100. Là, vous avez des barres de dizaines. Et là, vous avez les unités individuelles. Ça, on fait ça au CE1. Et puis au CE2, on franchit, et c'est ce que dit l'internaute, un niveau d'abstraction supplémentaire. C'est qu'ici, on va utiliser un jeton. Ici, de 100, deux jetons de 10, quatre jetons de 1. Évidemment, c'est un niveau d'abstraction supplémentaire parce que les jetons ont la même taille. La taille n'est pas proportionnelle. Contrairement au cube, là, le cube est 10 fois plus petit que la dizaine et la dizaine est 10 fois plus petite que la centaine. Alors que là, cette relation de proportionnalité n'est pas vraie. Donc, c'est un niveau d'abstraction supplémentaire. Et puis, vous allez voir qu'au CM1, on arrive même à certains exercices où on n'a même plus besoin de mettre la valeur, puisque la valeur est déduite de l'emplacement dans la colonne du jeton. Vous voyez qu'effectivement, il y a une évolution dans les représentations. Alors maintenant, si vous le voulez bien, je ne vois pas d'autres questions sur ce sujet, je vais aborder un point qui est plus de l'ordre de la pédagogie que des mathématiques. Ce que je vais vous dire sur la pédagogie explicite, vous pouvez l'utiliser dans la classe de français, parce que la méthode de Singapour, c'est aussi une façon de faire classe. La pédagogie explicite, c'est quoi? C'est une école pédagogique, on va dire, ou une théorie pédagogique qui a été mise en place par des Américains et des Canadiens dans les années 80, et qui est très pragmatique, et qui dit qu'est-ce qui marche en pédagogie? C'est quoi la meilleure façon d'enseigner la langue, l'écriture, la lecture, la meilleure façon d'enseigner l'histoire, d'enseigner les maths, etc. Et donc, ils sont arrivés à un certain nombre de constats, d'études comparatives, qui se trouvent être un compromis. En fait, entre les deux camps que je vais me permettre de caricaturer de façon, ne m'en veuillez pas, je suis très nuancé par ailleurs dans la vie, mais je fais exprès de caricaturer les deux conceptions, on a les instructionnistes, donc c'est la méthode traditionnelle, le cours magistral, le professeur détient le savoir, il dit aux élèves, voilà, tu fais les exercices d'entraînement et tu les fais, tu les fais, tu les fais, et ça va bien te rentrer dans le crâne un beau jour si tu fais suffisamment d'efforts. Le problème de cette méthode, c'est que, certes, c'est important dans la pédagogie, la répétition et l'entraînement, mais l'élève ne réfléchit pas. On ne lui donne pas l'occasion de réfléchir. Or, on ne réfléchit bien que ce à quoi on a réfléchi. À l'inverse du spectre, vous avez la démarche constructiviste qui dit, c'est à toi de déduire par toi-même les règles, il faut que tu réfléchisses pour pouvoir retenir ce que je vais t'apprendre. Donc, je vais te laisser manipuler librement, je vais te mettre dans des situations de découverte, dans des projets personnel, dans des démarches d'investigation.
et tu vas déduire par toi-même les règles. Le problème de cette deuxième école, c'est qu'elle n'est pas réaliste, parce que tout simplement, dans un temps donné, dans une classe donnée, on ne peut pas mettre en œuvre l'ensemble des programmes, des connaissances requises par les programmes ou des compétences requises par les programmes, en laissant les élèves les déduire par eux-mêmes. Ça serait trop beau. Donc voilà, je sais évidemment en disant ça que je caricature. La méthode traditionnelle n'est pas aussi bête et méchante qu'elle en a l'air, et la démarche constructiviste n'est pas aussi, enfin, reste pragmatique, et c'est bien qu'il y a un moment ou un autre, il faut guider. Toujours est-il que la pédagogie explicite se veut être un juste milieu entre ces deux approches, et son maître mot, c'est qu'il faut dire, il faut parler, parler, parler. Il faut être comme moi, il faut être très bavard, et il faut que les élèves parlent aussi. Il faut dire aux élèves ce qu'on fait, il faut montrer ce qu'on fait, il faut expliquer ce qu'on fait. Et il faut que les élèves soient guidés eux-mêmes par ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire dans 3 semaines? Quel est le lien entre ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire dans 3 semaines? Et vous, quand vous faites des choses, vous mettez un haut-parleur sur votre pensée. Pas seulement pour décrire un contenu de connaissances, pas seulement pour donner des définitions, etc., mais pour montrer comment vous réfléchissez. Vous mettez un haut-parleur sur votre pensée. Alors, je dois additionner des cubes. Comment est-ce que je dois faire? Et vous posez les questions à voix haute en utilisant les différentes procédures que vous faites. Alors, je dois former une dizaine, je vais prendre ces cubes, je les compte, 1, 2, 3, ah non, je me suis trompé, j'en ai oublié un, etc. Donc, je fais exprès de faire un peu l'idiot, mais vraiment, vous parlez beaucoup. Et les élèves, eux aussi, sont encouragés à parler beaucoup. Les élèves, eux aussi, doivent mettre un haut-parleur sur leur pensée. Vous n'autorisez pas dans la classe une réponse sans explication. 54, vous vous en fichez. 47, vous vous en fichez. Ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi 54 et pourquoi 47? Mais alors évidemment, si on veut mettre en œuvre la pédagogie explicite, si on veut qu'il y ait un juste dosage très précis de la phase de découverte où l'enfant va réfléchir par lui-même et va arriver à la compréhension de la notion, si vous voulez qu'il y ait assez d'entraînement et qu'en même temps les élèves soient guidés, vous comprenez bien que, il faut avoir un plan de leçon absolument rigoureux et précis et chronométré, pour ainsi dire, qui va du simple au complexe pour faire en sorte que les élèves aient accès à la notion que vous voulez leur enseigner. Donc, les concepteurs de cette pédagogie explicite ont proposé un plan de séance idéal. Évidemment, j'ai mis idéal entre guillemets parce que l'idéal n'est pas réel et le réel n'est pas idéal. Donc, en fait, dans la réalité, ce découpage horaire qui est suggéré là, vous n'y arriverez pas tout le temps, peu importe. L'idée, c'est d'avoir toujours en tête ces différentes phases. Premièrement, vous annoncez l'objectif. Quand vous annoncez l'objectif, vous ne dites pas aujourd'hui, les enfants, on va faire des additions. Ça, c'est un objectif qui est trop vague. Quand vous annoncez l'objectif, vous annoncez l'objectif précisément. Hier, les enfants, nous avons fait des additions avec retenue en utilisant du matériel de base 10. Et rappelez-vous, il y avait 2 dizaines et 5 unités. Enfin, bon, j'improvise, mais aujourd'hui, nous allons faire des soustractions avec retenue, mais nous allons utiliser des jetons. Il y a une seule nouveauté, c'est les jetons. Il n'y a pas de nouveauté dans les chiffres, il n'y a pas de nouveauté dans autre chose que dans le matériel. Un autre jour, ce qui va changer, ça va être des chiffres, mais on va garder le même matériel. Bref, vous annoncez l'objectif, ça dure 5 minutes, et vous mettez les élèves en situation, c'est le moment où vous pouvez réviser un peu, faire réviser un peu les élèves. C'est très court. Ensuite, je fais. Quand je dis je fais, c'est vous, professeur. Je fais. Je fais, ça veut dire que je vais faire devant les élèves un exercice type correspondant à l'objectif annoncé. Je vais faire mon addition avec retenue et je vais la faire devant les élèves en mettant un haut-parleur sur ma pensée, en réfléchissant à voix haute. Et je vais montrer au tableau comment je fais avec du matériel. Et je vais, en parlant à voix haute, servir de modèle aux enfants. C'est pour ça qu'on appelle ça le modelage, c'est que cette phase va permettre aux élèves de se servir de vos mots comme modèle. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y avait trop d'oral. Les élèves que j'ai s'agitent vite quand les phases orales dépassent les 5 minutes. Alors, je conteste pas ce point. Mais il est certain que dans une méthode explicite, on parle beaucoup, les élèves parlent beaucoup. Peut-être que si,
peut-être que c'est pas, quand je dis qu'on parle beaucoup, c'est pas le professeur qui parle plus que les élèves, attention, hein. C'est vrai que si le professeur parle pendant 30 minutes, il va décrocher tous les élèves. Il y a une phase très courte où le professeur fait à voix haute, et il y a une phase beaucoup plus longue, 25 minutes, où nous faisons ensemble, et là, pendant cette phase-là, la pratique guidée, les élèves sont invités à faire la même chose à peu près que le professeur, peut-être un peu plus compliqué, peut-être en approfondissant, etc. Ils vont le faire avec le professeur et eux-mêmes vont mettre un haut-parleur sur leur pensée. Donc, c'est ce qu'on appelle la pratique guidée. Un petit détail important, c'est que concrètement, la phase j'annonce l'objectif et la phase je fais, elle est dans le guide pédagogique proposé. La phase nous faisons, il y a une partie de manipulation. Il y a une partie où on va faire exactement ce qu'a fait le professeur, et après on va ouvrir le fichier, et dans le fichier on va retrouver, comme par miracle, la situation qui a été vue en classe. On va la retrouver modélisée exactement sur le fichier. Donc c'est l'encadré, j'observe. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur le. J'ai pris un exemple au hasard, hein. Mais en gros, là, il y a des assiettes rouges et des assiettes bleues. Il faut imaginer qu'il y avait une situation à peu près similaire qui s'est jouée en classe. Et quand ils ouvrent le manuel, pardon, excusez-moi. Quand ils ouvrent le manuel, les élèves constatent que ce qui s'est joué en classe, la partie de pratique guidée, elle est vraiment dans le manuel. Et pour eux, ça a une valeur. C'est-à-dire que ce n'était pas un simple jeu ou quelque chose de au hasard qu'on a fait, c'est que c'est noir sur blanc dans le manuel. Alors quand ils vont ouvrir le manuel, ils vont pouvoir constater, ils vont pouvoir, il va y avoir un temps d'observation de l'image, ils vont dire, ah ben, ils ont fait à peu près la même chose que nous, sauf que c'est différent pour cette raison, et c'est pareil pour cette raison. Donc ils vont là aussi réfléchir à voix haute. Ensuite, mais on est d'accord que la pratique guidée, c'est la partie la plus longue de la séance, et c'est la partie la plus essentielle. Pourquoi? Parce que effectivement, vous, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle, le terme technique, c'est la rétroaction, c'est-à-dire que vous assurez qu'il n'y a pas eu de malentendu de la part des élèves, de réagir immédiatement s'il y a un élève qui s'est fait une conception erronée, qui a mal compris, pour ne pas laisser s'installer une conception fausse de la notion que vous voulez enseigner. Et vous allez faire de l'étayage, c'est-à-dire que vous allez étayer la notion. Quand vous avez fait la situation idéale. Mais dans leur pratique guidée, les élèves vont tous découvrir des problèmes nouveaux que vous n'aviez pas anticipés. Donc vous allez préciser la notion. Et c'est ce moment-là qui est vraiment primordial. Parce que les élèves sont en train de faire, découvrent des problèmes et vous les aidez en même temps à les résoudre. Ensuite, et ça c'est très important, vous faites seul. C'est-à-dire que quand je dis vous faites seul, ce n'est pas vous, professeur, qui faites seul, c'est les élèves. Maintenant, c'est à vous de faire seul. Tous les jours, il faut de la pratique autonome. Et la pratique autonome, vous la trouvez sur le fichier photocopiable. Ça veut dire que pendant 15 minutes sur votre heure quotidienne de mathématiques, vous avez les élèves qui travaillent seuls en autonomie. C'est très important parce que en pratique guidée ou en modelage, on sait bien qu'il y a des élèves qui ne sont pas toujours aussi attentifs. Or, s'ils sont en pratique autonome, non seulement vous, ça vous permet de faire de la remédiation, de la différenciation, d'aider les élèves qui en ont besoin, mais aussi vous vous assurez que les élèves, chacun, ont fait en autonomie le travail. Et la dernière phase, vous récapitulez. Encore une fois, ce n'est pas vous, professeur, qui récapitulez, c'est les élèves. Maintenant, vous allez récapituler, vous allez dire avec votre propre mot, qu'est-ce qu'on a fait pendant 1 heure? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on a fait pendant 1 heure? Et ils vont dire, ah ben, on a appris à mesurer une distance avec une règle. Ah, on a appris à faire ci. J'ai appris ça de nouveau. J'ai appris ça de nouveau. Et pour eux, c'est ce qu'on appelle l'objectivation. Ils vont expliciter le contenu de ce qu'ils ont appris à faire ou qu'ils ont appris tout court. Et donc, ils vont se sentir acteurs de leur propre progression. Et ce n'est pas du tout négligeable parce que ça permet de faciliter la mémorisation, l'objectivation, mais ça permet aussi de faciliter leur implication dans leur apprentissage. Il y a une question qui est posée sur le matériel. Les élèves ont-ils le matériel en main pendant le modelage? Alors, il n'y a pas de règle absolue. Je vais dire, ça dépend. Par exemple, je vous ai dit, c'est une séance idéale. Si vous présentez une nouvelle notion, une nouvelle façon de casser une dizaine pour en faire des unités, par exemple. Excusez-moi si je manque d'imagination dans mes exemples, mais c'est parce que j'ai les cubes devant les yeux. Moi, je suggère qu'ils n'aient pas les cubes en main.
Parce qu'ils vont être distraits, ils ne vont pas se concentrer sur ce que vous faites. Donc au début, le modelage d'une nouvelle notion, il faut bien le faire seul. Après, c'est une question de où est-ce qu'on place le curseur. Si une notion a déjà été intériorisée, vous pouvez tout à fait, pendant le modelage, avoir distribué le matériel, les élèves y sont habitués, ils ont déjà fait les procédures, et donc ils ne vont pas être distraits par le matériel, parce qu'ils vont être confiants dans le fait que ce que vous allez leur montrer de nouveau, ils vont pouvoir le faire. Donc vous voyez, c'est pour ça, il y a vraiment des phases différentes d'apprentissage. Je vois qu'on me pose aussi la question, est-ce que les élèves écrivent des leçons? Et ça, c'est une très bonne question, parce que c'est... J'aime bien les questions où il est facile de répondre, c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne question. C'est que dans la phase vous récapitulez, qui est proposée dans le guide pédagogique, donc en fait, on demande aux élèves de dire qu'est-ce que tu as appris à faire, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on vient de faire. Les élèves vont formuler des phrases du type j'ai appris à faire ceci, j'ai appris à faire cela, j'ai appris telle propriété sur le cercle ou que sais-je. Et ça, évidemment, c'est l'occasion d'en faire la trace écrite. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un cahier de mathématiques où les élèves écrivent eux-mêmes la leçon à partir de ce qu'ils ont utilisé, enfin des phrases qu'ils ont eux-mêmes formulées. Alors évidemment avec une mise en commun, etc. J'ajoute quelque chose, c'est que dans le fichier photocopiable, alors excusez-moi, quand je disparais de l'écran de temps en temps, c'est que je vais chercher des manuels sur ma table. Dans le fichier photocopiable, vous avez à la fin de chaque unité une rubrique qui s'appelle Mon journal. Vous voyez, c'est un grand cadre blanc. Et là, en l'occurrence, on dit choisis un nombre compris entre 11 et 20, dessine ce que tu vois dans ta tête quand tu penses à ce nombre. C'est une autre forme de trace écrite qui va permettre aux élèves qui va offrir aux élèves plus de liberté dans la représentation qu'ils vont vouloir choisir. Par exemple, les nombres de 11 à 20, imaginons un enfant a choisi 14, il va pouvoir écrire le nombre 14, ou il va pouvoir écrire une dizaine et 4 unités comme avec du matériel de pastis, ou il va pouvoir dessiner sa sœur qui a 14 ans. Donc, ça permet une approche beaucoup plus intime des nombres. Donc, ça fait deux traces écrites pour répondre à vos questions. Deux propositions de traces écrites. On me pose la question sur les classes à double niveau. Je propose que toutes les questions sur la mise en place en classe, on les aborde à la fin. J'en arrive à mon quatrième point, 90%, 10%. Je vous ai dit donc qu'on pouvait, enfin, que la pédagogie explicite préconiser un plan très très détaillé de chaque notion avec un objectif didactique très précis et unique. C'est quoi le but? C'est qu'en fait, il y a une règle en sciences cognitives qui est que si vous voulez enseigner quelque chose de nouveau à un enfant, ou même à n'importe qui d'ailleurs, il faut qu'il y ait 90% de choses déjà connues et 10% de choses nouvelles. Si vous voulez, c'est quoi le risque? C'est que si vous... je prends un exemple, complètement en dehors des mathématiques. Vous voulez que les élèves apprennent la vie de Jules César. Ils n'ont jamais entendu parler de Rome, ils n'ont jamais entendu parler de la Gaule, ils n'ont jamais entendu parler de l'Antiquité, et vous lui racontez toute la vie de Jules César in extenso. Il va retenir 10%. Donc, ça sera évidemment plein de choses qui ne seront pas forcément la vie de Jules César, qui seront beaucoup d'autres détails qui seront dans le texte. Si vous lui avez appris tous les ans, CP, CE1, CE2, vous lui avez raconté l'histoire de Rome, des petits bouts de la vie de Jules César, et que vous avez en sixième et que vous lui racontez la vie de Jules César, il va pouvoir retenir marginalement tout ce qu'il y aura de nouveau dans votre leçon. De la même manière, en mathématiques, il est très important de planifier les objectifs didactiques de manière rigoureuse, vous l'avez vu au cours de la séance, mais surtout au cours de l'année et au cours du primaire. Et c'est ça la méthode de Singapour. La méthode de Singapour, c'est un corpus de séances et de notions avec une progression éprouvée par la théorie et par la pratique depuis 35 ans, d'une progression qui marche. Qui marche pourquoi? Parce qu'on a planifié les objectifs didactiques de manière extrêmement rigoureuse pour faire en sorte qu'il y ait à chaque jour 10% de nouveautés, 90% de déjà connus. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous êtes, comment dire, un peu trop optimiste sur les facultés, sur les compétences de vos élèves, vous allez distribuer des cubes et puis vous allez leur dire, voilà, on va faire des additions et des soustractions. Le problème, c'est que si vous faites ça, sans avoir bien préparé avant le terrain, vous allez les mettre en situation de surcharge cognitive. Vous serez à 60%, 40% ou 50%, 50%. Donc du coup, les élèves, vous aurez bien rendu compte qu'il n'y a qu'un certain pourcentage d'élèves qui a réussi à comprendre ce que vous vouliez leur enseigner et qui n'auront pas du tout
compris qu'avec des cubes, on peut aussi bien additionner que soustraire. Mettons, je prends un exemple au hasard. Donc, le lendemain, vous allez refaire la même séance. Et puis, le surlendemain, vous allez refaire la même séance. Et puis, le surlendemain, vous allez refaire la même séance. Et vous allez arriver à l'écueil inverse, qui est que vous allez faire 100% de choses déjà vues et 0% de choses nouvelles. Et là, le risque, c'est que vous allez désintéresser vos élèves. Vous allez perdre leur motivation. Parce qu'en fait, l'intérêt d'une progression qui est ni trop difficile ni trop facile, c'est quoi? C'est de faire ressentir aux élèves que chaque jour, ils sont capables de faire un problème juste un peu plus difficile que la veille, de le faire ressentir consciemment, explicitement, le fait qu'ils progressent tous les jours, et de leur faire ressentir le frisson cognitif. Le frisson cognitif, c'est j'ai réussi à faire quelque chose de juste un peu plus. Je ne savais pas que j'étais capable de le faire, mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé pourquoi? Parce que j'ai été guidé. J'ai été guidé, on m'a donné tous les outils et ça fait tous les jours depuis 3 semaines qu'on travaille sur ces fichus addition et soustraction à retenue. Vous voyez? Donc en fait, ce frisson cognitif, il est extrêmement important parce qu'il est la raison pour laquelle vous enseignez. C'est que les enfants aiment apprendre, les enfants aiment travailler. Pourquoi est-ce qu'il y a des mathématiciens? Ce ne sont pas des gens qui sont masochistes. C'est des gens qui ressentent du plaisir en faisant des mathématiques. Qu'est-ce qui fait qu'on lit des livres ou qu'on fait quoi que ce soit? C'est qu'on ressent du plaisir à apprendre, à comprendre, à résoudre des problèmes. On ressent du plaisir, c'est physique, on a de l'endorphine. Donc, pourquoi est-ce que les élèves préfèrent les jeux vidéo à l'école, ou en tout cas, malheureusement, pour une bonne partie d'entre eux? C'est parce que les concepteurs de jeux vidéo, ils ont très bien compris la règle des 90%, 10%. Ils font en sorte que chaque niveau soit un peu plus difficile que le précédent. Comme ça, il y a une récompense cognitive, il y a un frisson qui s'installe chez les élèves. Et là, on me dit, le problème est que si nos élèves n'ont pas le niveau requis au début de la séance, on ne sera pas dans le cadre 90%, 10%. Je suis parfaitement d'accord. Et d'où l'importance dans la méthode de Singapour d'avoir un projet d'établissement. Ça commence au CP, CE1, CE2, CM1, CM2. C'est très. Vous seriez déçu si vous preniez le manuel de CM1, la méthode de Singapour, et que avec des élèves qui, eux, n'ont pas suivi la méthode au CP, CE1, CE2. Après, encore une fois, sur la mise en œuvre pratique, je sais qu'on est tous sujets à des contingences et qu'il n'y a aucune situation parfaite, qu'il y a des élèves qui arrivent en milieu d'année, etc. Mais effectivement, je suis bien d'accord avec vous, le principe même de la méthode de Singapour, c'est cette progression. Du coup, si on arrive à faire ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on n'a plus besoin de s'excuser à faire des mathématiques, puisque les élèves ressentent du plaisir à faire des mathématiques. Vous allez voir que l'effet, ça va être que les élèves, vous allez dire, maintenant on va faire des maths, ils vont se frotter les mains en disant, mais youpi, on va faire des maths. Et je plaisante pas, c'est vraiment ce qui se passe. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour faire de clichés, mais les professeurs des écoles primaires, et je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez, il y a plein d'exceptions, ne sont pas souvent très bons ou très à l'aise avec les mathématiques. Donc du coup, les élèves ressentent très bien ça et ressentent très bien le fait que c'est un peu un pinsum de faire des mathématiques. Et puis d'ailleurs, c'est une liste de procédures. Alors il faut bien mettre le chiffre au milieu du carreau et puis le souligner au troisième interligne, etc. Ou alors on va trouver des excuses. On va dire, les enfants, on ne va pas faire des mathématiques, on va jouer, on va faire un jeu. Alors on prend un jeu de plateau, on prend des demi-pizzas, on prend de je sais pas quoi, hein, on va dire les mathématiques c'est un jeu. Mais les élèves ils sont pas bêtes, ils savent très bien que vous voulez leur faire faire des mathématiques. Les enfants c'est pas grave, on va pas faire de mathématiques, on va faire de l'art. Vous leur montrez un tableau de Kandinsky et vous essayez de leur apprendre des notions de géométrie ce faisant. Ils sont pas idiots, vous savez, ils savent bien que vous voulez leur faire faire des mathématiques. Et ils se disent, bah, dis donc ça a l'air d'être tellement angoissant les mathématiques que mon professeur ose pas me dire qu'on va faire des mathématiques. Dans la méthode de Singapour, je ne sais pas si vous avez feuilleté les pages, mais il n'y a pas de mascotte, il n'y a pas de planche de bande dessinée, il n'y a pas de blague, il y a des pages entières de calcul. Mais parce que, comme il y a cette progression du 90%, 10% qui est respectée, les concepteurs, ce n'est pas qu'ils sont confiants, c'est qu'ils savent que les élèves aiment les mathématiques pour les mathématiques. Et ils ont bien raison. J'aborde le cinquième point. Alors là, on me dit très difficile d'avoir un projet d'établissement. Le but n'est pas de forcer ses collègues. Chacun a sa liberté pédagogique. Encore une fois, je pense qu'on va prendre un temps ensuite pour répondre à toutes les questions sur la gestion de classe, la mise en œuvre dans un établissement, etc. Je suis d'accord avec vous. D'un autre côté, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Une bonne pédagogie, c'est du temps long. C'est une progression. Il y a une ingénierie pédagogique derrière. Donc, s'il n'y a pas de cohérence entre les différents collègues qui utilisent des méthodes, eh ben c'est autant de perdus pour les élèves.
La pédagogie de la maîtrise. Alors, j'arrive à mon cinquième point. Donc ça, c'est peut-être, et vous allez voir, tout ça va dans le même sens d'ailleurs, hein, c'est peut-être ce qui étonne ou inquiète le plus les professeurs français. C'est cette grande unité une, là, les nombres jusqu'à 1000. Vous arrivez au début du CE1 et vous vous rendez compte que les élèves vont faire pendant 14 séances, donc 14 jours, donc 3 semaines et demie, que les nombres jusqu'à 1000. Pendant ce temps-là, ils ne vont pas faire de géométrie, ils ne vont pas travailler les mesures et ils ne vont même pas faire d'addition, ni de soustraction, ni de multiplication, ni de division. Donc évidemment, ce n'est pas du tout conforme aux usages, on va dire. Alors c'est quoi la pédagogie de la maîtrise et pourquoi est-ce que ça, c'est la méthode adoptée par Singapour? La pédagogie de la maîtrise, c'est un terme un peu pompeux, on va dire, mais qui veut dire simplement qu'on va aborder peu de notions et on va les voir en profondeur jusqu'à ce qu'elles soient entièrement maîtrisées. C'est le concepteur de cette pédagogie de la maîtrise, c'est Benjamin Bloom, qui s'était rendu compte que quand on enseignait une notion sur un temps suffisamment long, tous les élèves finissaient par la maîtriser. Si on l'étudiait sur un temps plus court, il y avait simplement un certain pourcentage d'élèves qui arrivaient. Donc si on voulait que tous les élèves arrivent, c'était très simple, il fallait étudier la notion sur le temps long. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous mettez une bouilloire sur le feu et que vous la retirez du feu juste avant qu'elle entre en ébullition, vous allez devoir attendre encore un nouveau cycle avant qu'elle re-rentre en ébullition. C'est pareil pour un élève. Si vous lui faites faire un certain des activités, de la résolution de problèmes avec les modèles en barre ou des additions avec des jetons ou alors du tracé de figure en géométrie, et que vous interrompez pour passer à une autre activité, vous allez perdre sa concentration, vous allez perdre le bénéfice de sa pratique et de son savoir-faire. Donc, il faut étudier les notions sur le temps long. Et vous voyez bien à quel point c'est cohérent avec tout ce que je vous dis depuis le début. Premièrement, en passant 14 séances à étudier les nombres jusqu'à 1000, on va pouvoir étudier des représentations multiples. On va pouvoir voir les nombres jusqu'à 1000 selon toutes les représentations vues jusqu'à présent. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon. Voilà, le voilà. Par exemple, les nombres jusqu'à 1000, vous allez avoir des tableaux de centaines, dizaines d'unités. Vous allez pouvoir utiliser le matériel de base 10. Vous allez pouvoir utiliser les jetons. Vous allez pouvoir utiliser les cartes de numération. Vous savez, les cartes de Montessori. Donc vous avez, j'ai dit quoi? J'ai dit 123. Donc vous allez pouvoir ensuite les compiler pour faire 123. Vous allez pouvoir utiliser la frise numérique. 123. Etc. Donc vous allez pouvoir, en étudiant les notions sur le temps long, mettre en œuvre les représentations multiples de façon à ce qu'elles fassent un sens explicite les unes entre les autres. Parce qu'encore une fois, les représentations multiples, si vous faites ça sur toute l'année, vous allez empêcher les élèves de faire un lien explicite entre ces différentes représentations. Ensuite, c'est évidemment cohérent aussi avec la pédagogie explicite. Pourquoi? Parce que quand vous avez une unité très longue, je ne dis pas qu'elles sont toutes très longues d'ailleurs, hein, vraiment les durées varient, mais vous avez une unité, vous allez l'ouvrir par pardon, voilà, c'est là, par une grande page d'observation, une grande page d'observation qui va permettre de mettre en projet l'unité. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit au début de chaque séance de pédagogie explicite, j'annonce l'objectif, c'est vrai aussi au début de l'unité. C'est les enfants, pendant 3 semaines, on va faire ça. Et au CP, vous saviez faire ça. La page que je vous montre, c'est la première séance du CE1. Au CP, vous saviez compter jusqu'à 100. Eh bien, aujourd'hui, au CE1, vous êtes grand, vous allez apprendre à compter jusqu'à 1000. Vous vous rappelez ce qu'on a vu au CP. Et donc, cette page d'observation, c'est 1 heure entière de séance, va permettre de récapituler tout ce qui a été vu au CP. Les nombres 79, 80, 81, le fait de compter par dizaines, le fait de comparer des nombres, etc. Et puis, on va mettre en projet le fait qu'au CE1, on va apprendre à compter jusqu'à 1000. Vous allez dérouler un certain nombre de séances avec des représentations multiples. Et puis, à la fin de l'unité, vous allez faire un bilan. De la même manière que je vous ai dit, à la fin de chaque séance, vous allez pouvoir faire une objectivation. Vous allez demander aux élèves de récapituler. Et bien, de la même manière, à la fin de l'unité, qu'est-ce que j'ai appris dans cette unité? Alors, je vous rassure, là, c'est un exemple, mais ça ne correspond pas à l'unité du CE1 sur les nombres jusqu'à 1000, mais à un chapitre
qui est également dans le CE1 sur les modèles en barre. Et donc les élèves regardent cette page et explicitent, objectivent ce qu'ils ont appris dans la séance. Donc en fait, le fait d'avoir des unités, on va dire, massées, enfin des unités sur le temps long, ça va encourager la pédagogie explicite. Ça va encourager les élèves à la métacognition parce qu'ils savent où ils en sont. Et évidemment, ça peut faire peur à certains professeurs qui ne sont pas habitués. Moi, j'avais l'exemple d'une professeure qui m'avait appelé en disant je ne comprends pas, on va faire les soustractions au début du CE1 avec retenue seulement une fois et on va les faire pendant 3 semaines. Mais les élèves vont s'ennuyer et puis après, il faut absolument qu'ils réinvestissent. Elle a annulé son rendez-vous 3 jours après le rendez-vous qui avait été, 3 jours avant le rendez-vous qui avait été pris. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte à l'usage que les élèves ne s'ennuyaient pas du tout, au contraire, parce qu'ils étaient toujours en train de réussir leurs exercices, et qu'en plus, les activités, c'est pas parce qu'on soustrait avec des retenues que c'est toujours la même activité. Comme on utilise les représentations multiples, en fait, on le fait sous tous les angles. Donc, ce sont des unités, des séances qui sont très très riches. Et évidemment, elle craignait aussi que les élèves ne réinvestissent plus les soustractions avec retenue pendant toute l'année. Premièrement, il est vrai que quand ça a été bien appris, quand ça a été maîtrisé entièrement, il est beaucoup moins urgent de le retravailler de façon sempiternelle, ça c'est certain. Et puis par ailleurs, vous savez, il y a une porosité entre les apprentissages. Quand on fait des problèmes de géométrie ou quand on fait de la résolution de problèmes, etc., on va réinvestir évidemment la soustraction avec retenue. Mais ça va rester marginal. Donc, alors c'est assez amusant parce que nous, ce qu'on appelle une approche spiralaire, je ne sais pas si vous utilisez ce vocabulaire, mais c'est qu'on va dire, on va creuser chaque notion au fur et à mesure en ajoutant des petites touches de difficultés supplémentaires. Et c'est assez cohérent avec ce que je vous dis sur les 90% de 10%. Mais donc concrètement, souvent l'usage en France, c'est qu'on va faire un peu de géométrie chaque jour, un peu de calcul mental chaque jour, un peu de numération, ou alors ça va être hebdomadaire, ou alors ça va être... Bon, bref, mais en tout cas, le principe d'une méthode spiralaire, c'est qu'on procède par petites touches. Le problème de cette méthode spiralaire, c'est qu'elle est contradictoire avec la pédagogie explicite, comme je viens juste de vous le dire. Mais moi, quand je suis allé à Singapour et que je leur dis, mais c'est amusant, vous n'utilisez pas l'approche spiralaire de Jérôme Brunner? Ils m'ont dit, mais comment? Mais bien sûr que si, l'approche spiralaire de Jérôme Brunner, mais bien sûr que si, Jérôme Brunner, c'est notre star. C'est lui qui a fondé toute la méthode de Singapour. Mais il n'a jamais dit, Jérôme Brunner, qu'il fallait faire une approche spiralaire d'une semaine sur l'autre ou quotidienne. Il ne faut pas faire des toutes petites spirales. Nous, on a une approche spiralaire d'une année sur l'autre. Donc chaque année, vous allez avoir une grande unité qui va ouvrir l'année sur la numération. Ensuite, on va prendre les opérations sur les nombres entiers. Ensuite, on va prendre un peu de géométrie. Vous aurez votre chapitre de géométrie, votre chapitre sur les masses, etc. Vous allez retrouver une récurrence dans les chapitres. Et évidemment, ça va permettre aussi aux élèves d'aborder les notions très tôt, comme je vais vous le montrer avec la suite, je l'espère. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors, je suis absolument désolé, mais je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Quel niveau de manuel Si les élèves n'ont pas acquis les nombres jusqu'à 100, au CP, faut-il recommencer au CE1? C'est un peu la même question qu'a posée votre collègue. C'est effectivement, si les élèves n'ont pas les prérequis, comment est-ce qu'on fait? Donc, il n'y a pas de solution miracle. Le but de la méthode de Singapour, c'est qu'elle soit suivie sur tout l'établissement. C'est comme ça qu'on garantit son efficacité. Moi, le CP et CE1, je vois pas de problème à ce qu'un professeur de CE1 commence la méthode de Singapour si son collègue de CP l'a pas faite, ça va encore. Et si des élèves n'ont pas maîtrisé les nombres jusqu'à 100, de toute façon, dans la méthode de Singapour, au CE1, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'exercices de valeurs de position, de compter en dizaines, en unités, etc. Et à la marge, évidemment, quand il s'agit vraiment de remédiation, oui, ma recommandation, c'est tout simplement de faire appel aux méthodes, au manuel de l'année précédente. Alors, le sixième ingrédient de la résolution de problème, c'est, pardon, le sixième ingrédient de la méthode de Singapour, c'est la résolution de problème. Et là aussi, rien de miraculeux, rien de très original. On sait bien, c'est dans les programmes officiels de l'éducation nationale, c'est dans les programmes officiels de la plupart des pays aujourd'hui dans le monde, que les mathématiques, c'est la résolution de problèmes, et que la résolution de problèmes, c'est les mathématiques. Ce qu'on veut enseigner quand on enseigne les mathématiques, c'est le raisonnement mathématique. Donc, ce que fait la méthode de Singapour, c'est qu'elle va ritualiser la résolution de problèmes. Elle va faire de la résolution de problèmes le cœur vraiment de ces séances. Plus on progresse dans les âges,
C'est en particulier prégnant au CE2, au CM1, vous allez avoir chaque unité qui se termine par des problèmes, par on va dire une série de problèmes. Moi, je suis allé à Washington assister à une séance d'élèves de CM1 qui utilisaient la méthode Singapour. La classe était divisée en ateliers. Il y avait des ateliers qui utilisaient des cubes, ateliers qui utilisaient des Lego, ateliers qui utilisaient du papier et ateliers qui utilisaient des iPads. Et les élèves avaient individuellement une liste de problèmes à résoudre. Et ce n'était pas les bons élèves qui avaient le droit de faire du iPad et les mauvais élèves qui devaient faire des cubes. C'était chaque élève qui devait switcher au fur et à mesure de la matinée. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces cubes et avec ces Lego pour résoudre des problèmes? C'est bizarre. En fait, ils modélisaient les problèmes. Ils modélisaient les problèmes comme ça, avec des cubes, avec des trains de cubes, et comme vous le voyez sur l'écran, avec des modèles en barre. Avant de rentrer dans le détail des modèles en barre, pourquoi est-ce qu'on veut encourager la résolution de problèmes, ou plutôt comment on va le faire? On va valoriser les stratégies différentes. On va valoriser le fait que, puisqu'on a mis un haut-parleur sur sa pensée, puisqu'on est très bavard, moi, je vous montre comment je résous un problème, je réfléchis à voix haute. Alors, qu'est-ce que m'a dit l'énoncé? Qu'est-ce que je dois trouver déjà? Et donc, je vais modéliser la situation en faisant un modèle en barre, par exemple. Et vous pouvez dire aux élèves quelque chose du type, les enfants, pendant toute l'année, on va faire... Non, vous dites surtout pas ça. Vous dites surtout pas, on va faire des problèmes. Vous dites, on va résoudre des problèmes. Parce que faire des problèmes, c'est très négatif, évidemment. On va résoudre des problèmes. Ou mieux, les élèves, les enfants, toute cette année, on va trouver des solutions à des problèmes compliqués. Et les problèmes vont nous demander de réfléchir. Et moi, je serais vraiment très heureux si... On trouvait plusieurs solutions au problème. Une solution, c'est bien, mais deux solutions, c'est encore mieux. Et puis, trois solutions, c'est encore mieux. Donc, vous allez valoriser les stratégies multiples et vous allez valoriser comme ça, en valorisant ça, le fait que les élèves vont pouvoir confronter entre eux leurs différentes stratégies. Vous allez valoriser les efforts pour résoudre un problème. Ça s'appellerait pas un problème si c'était facile. Donc, pour résoudre un problème, il ne faut pas que les élèves confondent un problème avec un exercice de calcul. L'exercice de calcul, il faut faire son calcul correctement. Le problème, il demande de construire un raisonnement. Donc, c'est normal d'y passer du temps. C'est Einstein qui disait, si on me donne 1 heure pour résoudre un problème, je vais passer 50 minutes à réfléchir et 10 minutes à trouver la solution. Je crois même qu'il a dit 55 minutes à réfléchir et 5 minutes à trouver la solution. Vous allez valoriser les erreurs aussi. Vous allez valoriser le fait que évidemment, pour trouver des problèmes, il faut tester. Il y a même certains problèmes non standards qui se basent sur le fait de faire des erreurs. C'est ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle d'ailleurs, mais les problèmes où on approche la solution. On essaye avec 3, ça ne marche pas, on essaye avec 4, ça ne marche pas, on essaye avec 7, c'est trop. Et au fur et à mesure, on approche la solution. Ça veut bien dire qu'on s'autorise à faire des erreurs. Donc ça, c'est tout à fait utilisé dans la méthode de Singapour. Enfin, j'en arrive à ce qui, comment dire, est le plus caractéristique du modèle en barre, ou en tout cas, quand on parle de la méthode de Singapour, on montre souvent ces barres que vous voyez. C'est quoi ces barres? En fait, là aussi, ce n'est pas les Singapouriens qui l'ont inventé, hein, d'ailleurs, c'est Vergniaud. Mais eux, ils en ont fait un vrai outil pratique. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit, quand on résout un problème, c'est quoi la difficulté pédagogique? C'est que les élèves sont confrontés à deux abstractions. Il y a l'abstraction du langage écrit, et puis il y a l'abstraction du langage mathématique. Donc, ils doivent convertir une abstraction dans une autre. Et entre les deux, il y a leur représentation mentale. Léo a 15 bonbons, Léa a 3 bonbons de plus que Léo. Combien de bonbons a Léa? Donc, ça veut dire que si je vous ai dit ça, vous avez dû convertir. Alors, en plus, eux, ils doivent le lire, mais là, je vous ai dit à l'oral, vous devez convertir dans votre tête. Alors, ceux d'entre vous, on dirait, qui sont suffisamment à l'aise en mathématiques, ont directement vu 15 plus 3 égale 18. Ils n'ont même pas vu les bonbons de Léa, les bonbons de Léo, ni Léa, ni Léo. Mais les enfants, eux, ils voient les bonbons. Donc, ils doivent choisir dans leur représentation mentale ce qui va être le plus efficace pour résoudre le problème. Donc, on va leur donner un outil pour y arriver. L'outil, c'est qu'on va dire, selon la fameuse démarche concrète, imagée, abstraite, on va les encourager à représenter sous forme de modèle en barre les bonbons. Je ne sais plus si j'ai dit que c'était Léo ou Léa qui en avait le moins, mais on va dire. Les bonbons de Léo, il y en a 15. Les bonbons de Léa, est-ce qu'il y en a plus ou moins que Léo? Elle en avait plus. Donc on va faire une barre qui est plus longue. Et ici, on va écrire bonbons de Léa. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est là?
ce que me demande l'énoncé? Ah non, ce que me demande dans l'énoncé, ce sont les bonbons de Léa. Donc mon point d'interrogation, je vais le mettre ici. Et comment est-ce que je pourrais calculer cette distance? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'énoncé qui me dit? Ah oui, dans l'énoncé, on m'a dit elle a 3 bonbons de plus. Donc ici, c'est 3. Et donc, on va ici pouvoir déduire que cette partie-là, c'est 15, puisque ces deux barres sont égales. 15 plus 3 égale 18. On n'a pas eu besoin de poser d'addition ni de soustraction. C'est un exemple très simple que je vous prends ici, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, au CP, et d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent, hein, encore une fois, cette méthode est absolument cohérente dans son choix de matériel. Parce que les cubes, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis par Singapour, ces cubes, pour représenter les nombres CP? Parce qu'ils vont ensuite permettre de faire une transition très très efficace vers le modèle en barre. On fait des trains de cubes. Sur les trains de cubes, on peut compter individuellement. Là, il y a 4 filles et 6 garçons qui participent à une compétition sportive. Les 4 filles sont modélisées par 4 cubes rouges. Les 4 cubes rouges sont collés au cube bleu. On a 4 plus 6 égale 10. Et on voit bien, on peut compter individuellement chaque cube, donc le nombre d'enfants modélisés. Mais après, quand on arrive au CE1, on peut s'affranchir de la distinction des unités. On peut faire des problèmes en 2 étapes. Là, on a un énoncé typiquement très compliqué. Elias marche 560 mètres jusqu'à l'arrêt de bus. Il monte ensuite dans un bus pour rejoindre le centre commercial. La distance parcourue en bus est supérieure de 1750 mètres à la distance parcourue à pied. Quelle est la distance totale en mètres parcourue par Elias? Et donc là, on va déjà devoir décrypter cet énoncé compliqué en le modélisant. La modélisation va permettre de simplifier la réalité et de procéder par étapes. Et vous voyez bien que les élèves sont guidés dans leur raisonnement, parce que s'ils veulent calculer la distance totale, ils vont se rendre compte qu'ils doivent connaître la distance parcourue en bus. Donc voilà, on voit comment ce support concret, enfin évidemment moins concret que la situation, mais plus concret que les nombres, va permettre de faire des mathématiques sans les nombres, de faire de la modélisation et de faire des images mentales dans les élèves, dans l'esprit des élèves, qui vont durer jusqu'à très longtemps. Un autre exemple, les problèmes multiplicatifs. Pablo a 2 sachets de bonbons. Chaque sachet contient 350 grammes de bonbons. Il répartit équitablement les bonbons dans 4 petites coupelles. Quelle masse de bonbons y a-t-il dans chaque coupelle? Donc, si on n'avait pas la méthode en barre, un élève avec une méthode traditionnelle dirait, bon, bah, il faut d'abord que je sache le nombre total de grammes des 2 sachets de bonbons. Donc, je vais faire 350 plus 350. Ça fait 700 grammes. Et ensuite, je vais diviser 700 grammes par 4 pour avoir une répartition équitable dans les coupelles. Mais évidemment, le modèle en barre, c'est là où c'est avantageux et là où ça montre qu'on favorise les stratégies multiples, c'est que on se rend compte que une coupelle, comme c'est un quart du nombre total, c'est la moitié d'un sachet. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais bref, les élèves qui font cette modélisation en barre se rendent compte qu'il y a 2 façons d'arriver au résultat. Une façon longue, 350 plus 350 égale 700, 700 divisé par 4, ou alors 350 divisé par 2, tout simplement. Donc, vous voyez à quel point ça peut être performant. Et ça, on le ritualise. Alors, je vous rassure tout de suite, parce qu'on me pose parfois la question, il y a beaucoup de problèmes qui ne se résolvent pas avec des modèles en barre. Ce n'est pas non plus une solution miracle pour résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes qui sont non standards. J'en ai cité tout à l'heure des problèmes par approche. On va devoir tester des nombres pour voir si ça marche pour pouvoir rapprocher le résultat. Ou alors, il y a des problèmes qui vont pouvoir être modélisés, mais par des schémas différents. Toujours est-il qu'avec ces schémas en barre, on arrive à résoudre des problèmes qui, dans une méthode traditionnelle, nécessiteraient de poser des x et des y, alors que là, grâce à cette modélisation, on peut les résoudre beaucoup plus facilement et en utilisant beaucoup moins de calculs. Donc pour récapituler, les avantages de cette modélisation en barre, c'est faciliter le passage à l'abstraction, parce que, évidemment, je vous ai dit que c'était plus concret que des nombres, et plus concret d'ailleurs aussi que l'écriture, mais néanmoins, c'est quand même abstrait dans le sens où on simplifie la réalité. De fait, les situations diverses peuvent être modélisées par le même schéma. Vous avez. Les enfants vont vite se rendre compte que deux problèmes qui n'ont rien à voir vont représenter cette même réalité. Il y a deux parties et il y a un tout.
Si je veux trouver le tout, je fais une addition. Si je veux trouver la partie, je fais une soustraction. Mais ça peut être le calcul de l'aire d'un terrain de football, ça peut être le calcul de l'âge de quelqu'un, etc. Également, et encore une fois, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent, c'est Vergnaud, c'est un pédagogue français qui a théorisé tout ça. Vous avez des problèmes avant, changement, après. Donc là, typiquement, c'est les problèmes dont je parlais tout à l'heure d'hirondelles qui vont sur un fil, etc., où on va ajouter quelque chose. Et évidemment, dans le cas d'une soustraction, on intervertit avant et après. Et puis, vous avez un troisième type de problème, c'est les problèmes de comparaison avec deux quantités. Et c'est tout. Il n'y a que ces trois schémas. Donc, les élèves qui vont faire des problèmes de façon très, très régulière, toujours de façon à construire leur raisonnement, vont eux-mêmes explicitement objectiver le fait que, ah ben oui, il n'y a que trois schémas pour résoudre toutes les séries de problèmes possibles et imaginables. Donc, c'est quoi ça? C'est de l'abstraction, tout simplement. C'est de l'abstraction sans les nombres. Faciliter la construction du raisonnement, j'y reviens pas, c'est le schéma, puisqu'il est visuel, permet de servir de support à une explication orale, puis écrite. L'élève va pouvoir venir au tableau et montrer où est le point d'interrogation, quelle est la quantité qu'on cherche. C'est ça? Ou alors c'est ça? Ou alors est-ce que c'est ça? Et il va pouvoir pointer du doigt là où il s'est trompé ou là où il a réussi. Et pour vous, ça va être beaucoup plus facile d'ailleurs de voir comment est-ce qu'il raisonne. Et puis, last but not least, et pour vous montrer l'intelligence de la méthode de Singapour, je vous ai dit tout à l'heure, on passe le cube, ensuite le cube, on fait des trains de cubes, hop. On les fait passer en 2D, ensuite on s'affranchit de la séparation des unités, et enfin, on arrive à l'axe des X. Donc, on prépare le passage à la sixième. Je vais maintenant aborder le dernier ingrédient qui, pour moi, est le plus important. Et par rapport au temps, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Si, 6h20. ah, c'est dans 10 minutes que c'est terminé, alors c'est ça. Je vais peut-être prendre les 10 minutes restantes pour faire ce dernier point et après je vais répondre aux questions. Mais vous allez voir que c'est quand même un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. La pédagogie de la preuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toujours, et ce jusqu'à la sixième, proposer aux élèves de revenir à la manipulation, à la visualisation, pour comprendre ce qu'ils font, les quantités qui sont en jeu. Vous avez des élèves qui sont avancés en abstraction. Et vous pensez, d'ailleurs c'est une question que je viens juste de voir, vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de manipuler avec des cubes ou pas besoin de manipuler avec des barres. Je pense que c'est une erreur. Parce que évidemment, on a une vision stéréotypée de la réussite scolaire. On pense que les élèves bons sont à l'aise avec l'abstraction, que les élèves mauvais ont besoin de rester à l'étape concrète. Ce n'est pas vraiment vrai, dans la mesure où les élèves qui excellent en abstraction trop vite, vont ensuite chuter quand ils vont arriver au collège ou au lycée. C'est mon cas, je le sais bien. Moi, j'étais premier de ma classe au primaire, en mathématiques, et j'étais très bon en abstraction. On m'a jamais appris à représenter les quantités de façon visuelle ou à les modéliser. Ce qui fait que quand je suis arrivé en terminale et puis en classe préparatoire, je voyais bien que mes amis qui étaient bons en mathématiques, eux, ils avaient une représentation mentale des problèmes qu'on leur posait, d'algèbre extrêmement compliquée avec quatre inconnus ou n inconnus ou de matrices. Je ne sais pas quelle représentation visuelle ils avaient, mais ils en avaient une. Moi, pas. Moi, j'étais condamné à suivre la procédure de manière absolument passive. Et donc, mon niveau en mathématiques a chuté. Donc, en fait, il est faux de penser que les élèves qui sont avancés ne devraient pas se servir de la manipulation et des cubes. Ce qui se passe dans la méthode de Singapour, en général, tout ça c'est une vérité générale, c'est que les élèves qui sont en difficulté, on va leur dire,
aide-toi du matériel pédagogique, du matériel, les cubes ou les jetons, etc., pour trouver le résultat. Pour trouver le résultat, les élèves qui sont bons, on va leur dire, tu as trouvé le résultat, d'accord, maintenant va le vérifier avec ton matériel. On va leur apprendre à prouver que leur résultat est bon. On ne veut pas que ça soit de la magie. On ne veut pas que ça soit j'ai fait la procédure, ça a fonctionné, et puis je croise les doigts pour que je ne me sois pas trompé. Je vais vous prendre plusieurs exemples pour la pédagogie de la preuve. Il y a l'exemple de la numération. Alors, je ne sais pas ceux d'entre vous qui utilisent la méthode de soustraction à la française ou à l'anglo-saxonne. Je sais que de plus en plus, et c'est une bonne chose selon moi, le professeur français n'utilise plus la méthode traditionnelle française. Donc, si vous faites 27 moins 18, la méthode française, c'est celle-ci, hein. On a posé une retenue ici, on a ajouté une dizaine là, et on a posé une retenue là. Donc, ça, c'est très bien. La méthode anglo-saxonne, c'est laquelle? C'est exactement la même procédure. On n'a pas assez d'unités, donc on va prendre une dizaine, on ajoute la dizaine ici, donc on barre la dizaine qu'on a fait passer dans la colonne des unités, et donc on n'en a plus qu'une. C'est quoi l'avantage de la méthode anglo-saxonne sur la méthode française? C'est que dans la méthode anglo-saxonne, vous pouvez apporter la preuve, vous pouvez décomposer chaque étape de ce que vous avez fait pour vous assurer que vous n'êtes pas trompé. Vous avez les dizaines et les unités, vous avez deux dizaines. Vous avez 7 unités. Vous devez en retirer 8. C'est pas possible, vous n'en avez que 7. Donc, vous cassez la colonne, vous la mettez là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je devais enlever 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 9. Et là, j'ai plus qu'une unité puisque je l'ai retirée. J'ai 1. Là, j'ai fait la soustraction sans la poser, sans même écrire les retenues, ni rien du tout. J'ai fait la soustraction. J'ai eu besoin que de compter mes petits cubes. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de la preuve. Je me permets d'intervenir parce qu'on a une question sur les zéros avec la méthode anglo-saxonne. Oui, alors évidemment, c'est quoi évidemment, il faut bien qu'il y ait un intérêt à la méthode française. Le problème de la méthode anglo-saxonne, c'est que si vous avez des soustractions comme ça, alors j'ai peur de faire une bêtise en la faisant, mais en gros, vous allez devoir casser des centaines en dizaines et ensuite des dizaines en unités. En gros, excusez-moi, je vais pas tenter de le faire parce que j'ai peur de vous faire une erreur, mais c'est qu'en gros, ça va être compliqué comme procédure. Vous allez casser la centaine, ici vous aurez 10 dizaines. Et là, vous allez à nouveau casser les dizaines pour en mettre une ici. Donc, ça va être effectivement un petit peu lourd. Donc, évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles les professeurs français préfèrent conserver la méthode française. Le problème, c'est quoi? C'est que, premièrement, moi, j'ai dit qu'une bonne pédagogie, c'est 90% 10%. Si vous voulez apprendre la procédure française, vous allez devoir expliquer que quand on veut soustraire des unités et qu'il n'y en a pas assez, on prend une dizaine. Ça, d'accord? Première chose, premier objectif didactique. Deuxième objectif didactique, on va ajouter un 1 ici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ajoute un 1 ici? Ça, c'est compliqué à expliquer. Ça veut dire que il faut expliquer aux élèves que le fait de retirer une dizaine au nombre de départ, ça revient au même que d'ajouter une dizaine au nombre de ceux qu'on retire. Bah, c'est compliqué à expliquer. Et d'ailleurs, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible avant le CM1. Donc, moi, je ne suis pas contre la méthode française, qui est très élégante, qui ne demande pas de faire des ratures. Mais par contre, il faut avoir conscience de ce qu'on fait quand on enseigne. Si vous enseignez la soustraction dès le CE1 avec cette méthode, ou même au CE2, vous allez mettre les enfants dans une situation de surcharge cognitive et vous allez avoir des enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et moi, je suis désolé de prendre un exemple personnel à nouveau, mais c'est le cas de ma fille. Elle était très bonne, elle avait fait plein de soustractions avec retenue à la française et il y avait zéro erreur. Et je lui demandais, mais c'est quoi ce 1-là? Elle dit, parce qu'il y avait plus d'unités en bas et moi en haut. Donc j'ai mis un 1 ici. D'accord, mais c'est quoi ce 1-là? C'est parce qu'il y avait plus d'unités en bas là et moi en haut. Donc je ne pouvais pas soustraire, donc j'ai mis un 1 ici. Oui, mais
c'est quoi ce 1? Elle était incapable de me le dire, et même en creusant, je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de retirer une quantité à une autre. Elle faisait tous ses exercices à la perfection, sans avoir jamais compris qu'elle faisait une soustraction, qu'elle retirait une quantité à une autre. Donc, si vous voulez absolument maintenir la méthode française pour effectivement poser des opérations avec des zéros, etc., je vous suggère, c'est ma préconisation, d'attendre CE1, CE2, allez, fin CM1, voire début CM2, et un beau jour, vous allez dire à vos élèves, vous savez parfaitement maîtriser la soustraction, maintenant, je vais vous apprendre une méthode élégante. C'est une méthode qui est élégante, d'ailleurs, elle est française, parce que les Français sont très élégants. Et vous allez expliquer la théorie des écarts. Vous allez expliquer pourquoi. Quand on retire une unité là, ça revient au même, etc. Et vous allez pouvoir consacrer une heure entière, voire 2 heures, voire 3 heures, le temps qu'il faudra, pour faire comprendre cette théorie des écarts qui n'est pas simple à comprendre. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas le temps de le faire, vous condamnez vos élèves à suivre de façon aveugle une procédure qu'ils ne comprendront pas. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de la pédagogie de la preuve. Il faut que les élèves aient confiance dans les mathématiques. Il faut que les élèves aient confiance dans le fait que ce n'est pas le hasard s'ils ont eu de bons résultats, ou ce n'est pas parce qu'ils sont bons, ou ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils n'y sont pas arrivés, mais c'est simplement une façon de raisonner. Donc si on peut décomposer, si on a toujours la preuve de ce qu'on avance, on est dans une vraie démarche scientifique. Je vais prendre un autre exemple. Pour l'exemple des mesures, on ne dit pas aux élèves de CP, pour mesurer les distances, on prend des centimètres, ou pour mesurer des masses, on prend des grammes. On va d'abord leur expliquer comment on mesure des distances, comment on compare des distances, qu'est-ce qui est plus long entre un élastique ou une corde. C'est facile, c'est la corde. Mais quand les distances sont plus proches les unes des autres, quand les distances sont, on ne peut pas les mettre côte à côte, comment est-ce qu'on va faire pour les comparer? On va prendre des unités standards. Des trombones ou des crayons. Et ce faisant, on va pouvoir leur apprendre les propriétés des unités. On va pouvoir dire que pour bien comparer une distance et mesurer une distance, on va prendre un trait d'origine, qu'il faut que ce soit bien aligné, qu'il faut qu'il n'y ait pas d'écart entre deux unités. Et puis, on va aussi leur montrer que quand il y a une distance qui est, je sais pas, on va prendre un crayon qui est un peu plus petit que trois trombones, mais un peu plus grand que deux trombones, on ne va pas pouvoir le mesurer avec précision. Donc, il va falloir diminuer la taille de l'unité pour arriver à une mesure plus précise de l'unité. Et pour ça aussi, on va se servir d'une ficelle. On va dire, ben, si c'est vraiment trop difficile de mesurer de manière détaillée, tu peux prendre une ficelle et tu peux la couper pour reporter une longueur. Et ce faisant, on va leur apprendre tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur les unités, à savoir que les unités mesurent des quantités non pas discrètes, 1, 2, 3, ce sont des quantités discrètes, mais des quantités continues. C'est-à-dire que l'âge, donc le temps, la contenance, la masse, la distance, toutes les unités de mesure, en réalité, sont des quantités continues. Et ça, on l'apprend aux élèves dès le CP. Et donc, quand on arrive au CE1 et qu'on leur dit, voilà, maintenant tu as appris à te servir des unités et tu as appris à mesurer des distances et à les comparer et à les ordonner, etc., en te servant d'unités, ben maintenant, sache que on a inventé quelque chose qui est bien commode, et c'est le centimètre pour mesurer les petites distances et le mètre pour apprendre les grandes distances. Donc, on va commencer par leur apprendre la signification des unités de mesure, et après, on leur donne les unités de mesure standard. Donc, on met bien les choses dans l'ordre, parce qu'il faut que les élèves aient confiance dans la puissance des mathématiques. Et là, ils vont être convaincus eux-mêmes que c'est vraiment une très très belle invention que ces Français ont fait pendant la Révolution française en inventant le mètre. L'exemple de la résolution de problème, je ne vais pas y revenir, je me suis étendu dessus pour bien vous montrer que justement grâce à la modélisation, on allait pouvoir détailler un raisonnement et qu'il n'y avait rien qui se faisait au hasard et qu'on mettait un haut-parleur sur sa pensée pour confronter avec les autres les différentes stratégies. On veut apporter la preuve de ce qu'on avance. Est-ce que j'ai le temps de... Est-ce que vous souhaitez que j'aborde la question de la géométrie? Je vais vous laisser le temps de répondre à ces questions parce que je sais que j'ai dépassé un peu l'horaire. J'entends oui. Non, j'exagère. Oui, non, il y a beaucoup de oui. Alors, c'est bien. En fait, comme je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, quand j'ai fait la première édition de la méthode de Singapour, il y a 10 ans, je n'avais pas transformé du tout le contenu. C'était pas conforme au programme parce que je ne voulais pas faire s'effondrer l'édifice fragile de la méthode.
notamment en ajoutant de la géométrie. Mais pourtant, notoirement, il manque de la géométrie dans la méthode de Singapour, pour une raison culturelle qui m'échappe. Or, la tradition française des mathématiques n'est pas... on a des très très mauvais classements à PISA depuis quelques années, et c'est très inquiétant, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, et on a une tradition française, notamment en géométrie euclidienne, excellente, et on était encore premier dans les années 60-70, et qui sait, peut-être que c'est la raison pour laquelle on a autant de médaillés Fields en mathématiques encore aujourd'hui. Donc, la géométrie à la française, nous, nous avons décidé de la réintroduire dans la méthode de Singapour au fur et à mesure des années. Alors, c'est surtout vrai au cycle 3. Hein. Ça commence à être une bonne partie du programme en CE2, mais après CM1, CM2, ça prend de plus en plus d'importance. Et pourquoi ? Parce que la géométrie euclidienne à la française, c'est tout à fait conforme avec tout ce que je viens de vous dire sur la pédagogie de Singapour. La géométrie, c'est concret, imagé, abstrait. Concret, parce qu'on a des instruments de mesure, on a du papier, on a du crayon, on a des gommes, il y a des gestes, on fait des erreurs, on gomme, on corrige, etc. C'est concret. Pourquoi c'est imagé? Parce qu'on a des figures. Hein, on va raisonner sur ces figures et on va modéliser des relations numériques entre les différentes mesures. Et puis après, on va raisonner sur les propriétés des figures et donc construire des raisonnements géométriques. Et le calcul, d'ailleurs, en géométrie, est parfaitement, est le plus souvent anecdotique. C'est le raisonnement qui est important. Donc, on est vraiment dans la géométrie à la française, dans la résolution de problèmes. Donc, la géométrie, pour une raison très mystérieuse et qui m'échappe, à Singapour, ils font très peu de géométrie. Et il y a un exemple particulièrement frappant, ils sont pratiquement à l'inverse de ce qu'on fait en France. Ils n'étudient le cercle, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis, ils n'étudient le cercle qu'en sixième. Il n'y a eu jamais aucune unité, jamais aucune notion de rayon, de diamètre, de circonférence, de tout ce que vous voulez, sur le cercle avant la sixième. Alors que nous, c'est au CE2. On prend un compas, on risque la vie de nos élèves en leur mettant des compas entre les mains, mais au moins, ils s'entraînent à tracer des figures et à induire des propriétés du cercle. Inversement, les Singapouriens utilisent le rapporteur dès le CE2. Alors que nous, on utilise le rapporteur en sixième. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est assez amusant. C'est qu'en fait, eux, ils commencent par mesurer des angles. Donc, selon leur fameuse concrète imagée abstraite, ils vont prendre des angles dans la vie de tous les jours. Ils vont faire des gabarits d'angles en papier ou avec, vous savez, des petites barrettes comme ça, là, pour mesurer les angles. Et puis après, ils vont prendre le rapporteur et puis ils vont dire, ben, ça, c'est un angle aigu. On va mesurer, on va comparer des angles plus ou moins grands. On arrive à l'angle droit. Après, il y a les angles obtus. Pardon. Ensuite, on arrive à la somme des angles d'un triangle. Hein. C'est au CM1 ou au CM2 qui fait 180 degrés, alors que nous, ce n'est pas du tout au programme. Et ensuite, la somme des angles du quadrilatère qui fait 360 degrés. Et puis, une fois qu'on a fait tout le tour du rapporteur, on arrive au cercle. Et là, seulement en sixième, on va pouvoir aborder le cercle. Donc, en fait, ils approchent le cercle non pas par le tracé de figure, mais ils abordent le cercle par la mesure, de façon algébrique, par l'angle. Le cercle, c'est quoi? C'est 360 degrés. Alors que pour nous, le cercle, c'est quoi? C'est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un centre. Donc voilà, c'est évidemment de façon un petit peu amusante que je mets un exemple français, la géométrie. Parce que je dois avouer que moi, j'étais un petit peu anxieux au moment d'adapter la méthode de Singapour au nouveau programme et avec Monica Nigoy, avec des auteurs, de se dire, oui, mais si on a réintroduit la géométrie dans le programme, on va devoir forcément faire le deuil d'autres notions pédagogiques qui sont très précieuses dans la méthode de Singapour. Et c'est sûr qu'on doit, de temps en temps, faire un peu moins de fractions, être un peu moins exigeant sur telle ou telle notion. Mais par contre, sur le fond, c'est parfaitement cohérent avec la pédagogie de Singapour de faire la géométrie à la française. Donc voilà, moi j'ai fini tout ce que je voulais vous dire à peu près, mais vous allez voir que comme je suis bavard, je vais lire vos questions et je vais à nouveau bavarder. Alors, le cercle, c'est même dès le CE1 dans les nouveaux programmes. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est aussi vrai au CP et en grande section maternelle, puisqu'on apprend aux enfants à discriminer les formes très tôt. Et ça, d'ailleurs, pour le coup, c'est vrai à Singapour.
Est-ce que vous savez quand paraîtra le fichier CM2? Ah, bonne question. C'est en mars prochain. Voilà. Donc, ma réponse est très claire. Je voudrais que vous retenez, enfin, j'espère que vous aurez retenu au moins une chose essentielle de ma présentation. Alors, évidemment, peut-être de vous rassurer pour ceux d'entre vous qui l'apprennent pour la première fois cette année. Je voulais vous rassurer sur le fait que c'est pas une méthode révolutionnaire. Vous n'allez pas changer entièrement votre façon d'enseigner les maths, mais vous allez quand même changer un peu votre façon d'enseigner les maths. Vous n'allez rien découvrir de fondamentalement nouveau, mais vous allez peut-être faire classe un peu différemment. Et donc la chose la plus importante, c'est faites confiance à la méthode. Je pense avoir beaucoup insisté sur la progression en unité, la progression spiralaire d'une année sur l'autre, les 90%, 10%, le compromis entre la manipulation et la pratique guidée et la pratique autonome, etc. Et donc tout ça mérite que vous fassiez confiance. Quand vous allez vous retrouver au début du CP, vous allez vous rendre compte que jusqu'à Noël, vous ne dépassez pas les nombres jusqu'à 20. Ça va beaucoup vous troubler, parce que vous dites, mais vos collègues, ils seront à 70, à 80, quoi. Mais... Alors du coup, voilà. Mais sauf que il vous faut un peu de temps pour prendre conscience que ce travail de fond que vous faites va être extrêmement bénéfique pour vos élèves et vont faire en sorte que les notions supérieures vont être comprises beaucoup plus facilement. Alors, pensez à parler de la méthode en cours double CE2, CM1, par exemple. Alors, oui, ça c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de classes de double niveau. Je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est que, il y a quand même deux gros blocs hein, dans une séance type de la méthode Singapour. Il y a la pratique guidée et la pratique autonome. Donc, ça ne représente pas exactement le même nombre horaire, mais ce que je suggère souvent aux professeurs qui me posent la question, c'est que pendant que certains font la pratique autonome, d'autres font la pratique guidée. Ça implique une chose, ça veut dire que un élève de CE1 ne fera pas la pratique guidée ni la pratique autonome dans la même heure, évidemment, ou à condition d'inverser. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu problématique en termes de gestion de classe, parce que ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vraiment respecter la progression, pendant que les CE2 feront des fractions, les CE1 feront peut-être de la géométrie. Donc ça, il faut l'assumer. Alors, soit vous décidez d'emblée de séparer les deux séances et que les élèves de l'autre niveau fassent carrément une autre activité, soit ils font de la pratique autonome. Quel matériel indispensable au CP? Bon, ça c'est une très bonne question et je vais la généraliser à l'ensemble du matériel. Au début de chaque manuel et de façon encore plus détaillée dans le guide pédagogique, vous avez la liste du matériel dont vous avez besoin. Le seul matériel qui est vraiment original, dans le sens où il ne se vend pas en France, ou si ce n'est par Amazon ou par nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on se les procure, ce sont ces cubes multidirectionnels. Ils ont vraiment une grande valeur pédagogique et donc je vous encourage vraiment à les prendre. Un petit point là-dessus quand même, bon, c'est pas notre métier de nous de vendre des cubes, donc on a trouvé un prestataire anglais qui les vend. Mais la méthode de Singapour a tellement de succès à travers le monde qu'on est en rupture mondiale de cubes multidirectionnels. Donc, on a un petit peu de difficulté à s'approvisionner. Il existe, alors vous pouvez tout à fait les acheter chez d'autres prestataires, hein, mais c'est vrai que ça commence à se faire rare en Europe. Il y a deux gammes de cubes. Il y a ceux-là que j'ai entre les mains et qui sont une meilleure qualité. Ils sont un peu plus chers, mais ils ont une plus grande durée de vie parce qu'ils sont plus souples et un peu granuleux, vous voyez. Alors que, et ça s'appelle les Mat Link Cube. Mat Link Cube, c'est... Là, je sens que vous allez vous précipiter sur votre prestataire en ligne pour aller acheter les derniers stocks, Mat Link Cube. Et il y a une qualité qui est moins bonne, c'est les Snap Cube. Ils sont moins chers, ils sont moins bons, ils ont une moins bonne durée de vie. Alors maintenant, ça remplit exactement le même rôle. Donc vous pouvez tout à fait les utiliser. Pour la suite du matériel, en CP, on va avoir, j'ai peur d'oublier des choses, mais on va avoir du matériel de base 10, déjà, je crois. Est-ce que vous savez bien ce que c'est le matériel de base 10? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le matériel de base 10? Vous savez, ce sont les plaquettes de sang
des barrettes de 10 des unités, et vous avez même des cubes de 1000. Donc ça, c'est très important. Il y a une liste sur le site. Et de façon, vous allez trouver la liste sur le site intégrale, niveau par niveau, de tout le matériel qui est nécessaire. Mais je vous dis, en dehors de ces cubes, il n'y a pas grand-chose de très original. Vous allez trouver des géoplans pour la géométrie, du matériel de base 10 et des jetons pour la numération, des horloges pour le calcul du temps, etc. Moi, ma suggestion aussi, je sais que j'ai beaucoup insisté sur la finesse et l'ingénierie pédagogique en œuvre dans la méthode de Singapour et le choix très délicat des représentations, des objets de manipulation. Mais néanmoins, la réalité est ce qu'elle est. Vous avez du matériel déjà dans vos écoles, dans vos classes. Vous avez des barrettes Cuisenaire, vous avez des bouliers, vous avez des jetons, vous avez je sais pas, des billes, vous avez des pizzas qui permettent de faire des fractions, ou que sais-je, et utilisez-les. Parce qu'en fait, au final, ça, tant qu'on est conforme à la notion enseignée, il n'y a absolument aucun problème. Alors, je vous propose peut-être d'arrêter. Je vois qu'il y a plus beau. Ah si, attendez. Non, voilà, donc c'est bon. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a servi. Et on se tient, évidemment, toute notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour répondre à vos questions plus précises ou plus détaillées sur la mise en œuvre. Je sais qu'en ce moment, il y a un grand défi, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'écoles qui utilisent la méthode. Jusqu'à présent, c'était comment dire, des professeurs qui s'investissaient beaucoup personnellement dans la compréhension, et donc il y avait des vrais projets d'établissement, etc. Peut-être que certains d'entre vous sont plus néophytes et se sentent moins directement en confiance avec la méthode. Donc, je vous encourage vraiment à parler entre vous et à échanger entre vous. Et nous, on aimerait bien vous accompagner si vous voulez créer des forums ou des blogs ou des choses qui permettent de garantir le meilleur usage. Il y a une réalité, c'est que les mathématiques, c'est un langage universel, mais c'est aussi un contenu culturel. Donc, quand on apporte la méthode de Singapour en France, comme je vous l'ai dit, ça pose aucun problème de fond et partout où elle est utilisée, elle fonctionne. Mais néanmoins, il y a nos réalités de terrain, il y a nos budgets, il y a notre année scolaire, il y a la taille de nos établissements, il y a la liberté pédagogique qui est fondamentale en France. Donc, comment est-ce que je gère mon collègue qui n'aime pas la méthode de Singapour, etc. Donc, vraiment, discutez entre vous et faites nourrir notre réflexion à nous aussi pour nos futures éditions, pour qu'on améliore toujours les services qu'on pourra vous rendre. Merci pour votre attention.